Bonjour à tous. Je crois qu'on est presque au complet. On va démarrer. Bonjour à vous tous qui êtes là aujourd'hui. Bonjour à tous ceux qui sont en live stream et qui nous suivent à distance en France ou ailleurs. Donc je m'appelle Guillaume Cutuli, je suis le directeur du Selling Lab et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on travaille sur ce projet, ça fait 2 ans et aujourd'hui c'est un peu l'aboutissement de ce projet-là. On l'a bâti autour de 3 axes ce projet-là et moi j'avais envie de vous les partager aujourd'hui. Avant tout un axe d'ouverture et de co-création, donc on a vraiment envie demain de concevoir nos produits avec vous, avec les utilisateurs, et ça c'est un axe très très fort aujourd'hui dans notre projet chez Tribor et au Selling Lab. Le 2e axe, on a voulu en faire un lieu de rencontre et d'échange, donc c'est un peu l'illustration de ce qu'on va vivre aujourd'hui, et après, puisqu'on passera un petit moment après autour d'un cocktail pour pouvoir poursuivre les échanges. Donc on veut en faire un lieu de rencontre pour les passionnés de la voile, mais aussi ceux qui sont débutants ou curieux dans ce domaine-là. Et puis enfin, et c'est pour ça qu'on s'appuie sur Code Zéro, on veut en faire un lieu d'inspiration dans le domaine du nautisme et de la conception. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi de s'associer avec Code Zéro, qui eux ont une vraie expertise dans cette partie-là d'inspiration. On travaille avec eux déjà depuis plusieurs années et on est ravis de les avoir avec nous aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent moment, un moment d'inspiration. Je vais laisser Guénaud dire un petit mot, Guénaud qui est le directeur de la marque Tribor. Merci Guillaume. Bravo. Belle intro. Alors bienvenue à toutes et à tous. C'est un moment particulier pour nous, puisque effectivement ça fait quelques années qu'on a lancé le projet. Moi je voudrais juste commencer par remercier toute l'équipe de Tribor, toutes les équipes de Decathlon, tous les acteurs locaux, certains partenaires sont là. Remercier tout le monde parce que moi j'aime beaucoup la thématique, comment irons-nous sur l'eau en 2040. Moi je crois qu'il faut toujours avoir une vision, il faut toujours se projeter. Ça permet d'écrire les étapes nécessaires à ce qu'elles se réalisent et faut voir loin de temps en temps. Et ce site prouve que nous a prouvé en tout cas que tout est possible. Donc je voudrais vraiment les remercier. C'est un boulot, c'est quand même beaucoup de boulot d'ouvrir ce type d'infrastructure. Et je sais qu'ils y ont passé énormément de temps. Donc je voudrais vraiment remercier mon équipe parce que c'est beaucoup de boulot. Si on peut les applaudir, je serais... Donc évidemment, je voudrais remercier aussi toute l'infrastructure technique parce que on a été un peu victime positivement de notre succès. J'ai eu énormément de demandes de live stream sur ce genre de conférences. Donc ça démontre l'intérêt que du contenu intéressant soit diffusé. Donc, je voudrais vous remercier parce que, et particulièrement JB et les équipes de la technique, parce que là aussi ça a été fait rapidement avec une grosse réactivité. Donc je vous remercie au nom de ceux qui sont derrière leur écran à nous regarder. Et puis évidemment Code Zéro et nos intervenants. Le message que je voudrais vous passer, c'est que pour être capable d'innover, il faut développer la connaissance, développer la réflexion, développer la collaboration. Nous sommes dans un monde où il faut coopérer si on veut innover et survivre. Et j'ai toujours apprécié, je vous le dis, vous le savez, mais la relation qu'on a avec Code Zéro, parce qu'il nous pousse par le contenu qu'il publie et les travaux que nous réalisons ensemble, il nous pousse à être meilleurs, il nous bouscule dans nos certitudes. Et ce que je trouve intéressant dans cette thématique, c'est quelles sont nos certitudes, comment est-ce qu'elles peuvent être bousculées. Donc je voudrais vraiment vous remercier pour ça, c'est la première, elle est symbolique, elle part sur une vision à long terme. Alors 20 ans dans le monde dans lequel on vit, ça passe très vite, mais merci pour ça. Merci à tous, on se retrouvera pour échanger après la conférence et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et je vais commencer par remercier Guénolé et puis Guillaume et toutes les équipes de Decathlon de nous permettre d'être ici avec vous. Parce que collaborer avec eux, c'est un grand plaisir. Effectivement, on le fait depuis plusieurs années. Et puis, c'est une vraie opportunité de pouvoir justement proposer, développer des idées sans barrière. Donc effectivement, moi mon nom est Thierry Seret, donc je suis le cofondateur de Code Zéro avec Rodolphe Cadoret qui est parmi nous. On est là effectivement pour vous parler futur de la voile. Alors on ne va pas
vous dire à quoi ressemble le bateau, ou vous donner les plans du bateau de 2040. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais on va essayer de vous amener beaucoup d'idées qui, j'espère, vous, comment dire, nourrira aussi votre réflexion. Donc, comment irons-nous sur l'eau en 2040 le petit sommaire rapide, on va effectivement commencer par une présentation un peu, non pas magistrale, mais rapide de la situation d'aujourd'hui, parce que pour interroger le futur, il faut essayer de regarder le présent de la façon la plus décomplexée possible. La voile qui se pratique, la voile qui se regarde, parce que c'est deux choses différentes. Les cultures sportives, ça sera un bref rappel sociétal, vous verrez que ça ne sera pas ennuyeux. Les signaux faibles et les imaginaires pour demain. Et puis, je vais appeler les deux co-speakers qui interviendront après moi. Donc Tanguy Le Bihan en premier, qui est le cofondateur de Foil & Co. C'est un spécialiste des foils. On se connaît depuis longtemps. Quand on s'est connus, il était architecte naval pour Beneteau. Il a fait beaucoup de choses. On parlait aussi bien de carènes de bateaux de pêche que de voiliers et de glisse. Donc vous verrez que sa compétence en foil est importante, et là aussi, il vous permettra peut-être de voir ce sentiment-là d'une autre façon, enfin, cette technologie-là d'une autre façon. Et puis, Nicolas Béranger, qui est lui aussi, qui a un lourd passé, je dirais, qui a fait de la course au large, qui a travaillé chez Mesto longtemps, et qui aujourd'hui est directeur produit et directeur commercial de Dufour. Donc, lui viendra nous parler du monocoque. Moi, je ne vais pas vous en parler beaucoup, mais lui, je compte sur lui pour ça. Donc, les voilà tous les trois. Donc, ce qu'on va regarder en premier, le tableau, c'est la voile qui se pratique. Donc, on va aller assez vite. C'est quoi la voile qui se pratique? C'est ce qu'on fait tous chaque jour. Enfin, chaque jour, peut-être pas, mais en tout cas, dès qu'on le peut. C'est l'optimiste. Alors, j'aurais pu mettre un laser, mais c'est une image. Donc, l'optimiste, c'est le bateau de toujours, celui par lequel on débute. C'est les enfants, c'est l'apprentissage. C'est le voilier, le plaisir. Le voyage, j'aurais pu mettre un voilier de course, mais justement, le but, ce n'est pas forcément de parler de performance, on y reviendra. Donc là, dans l'esprit des gens, d'une grande partie des gens en tout cas, l'attirance pour le voilier, c'est le plaisir, c'est le voyage, et ce n'est pas forcément les grosses conditions avec une veste de car. Aller sur l'eau en 2021, c'est le semi-rigide. Oui, vous le savez tous, il y a eu pendant très longtemps une fracture quasi culturelle entre ceux qui faisaient de la voile et ceux qui faisaient du bateau amateur. Mais aujourd'hui, ce que désirent les gens en termes d'imaginaire, c'est beaucoup plus aller sur l'eau. On a tous dans notre entourage des gens qui vont sur l'eau et en voilier et en bateau amateur et maintenant en foil ou en windsurf. Donc ce qu'il faut retenir, c'est la culture transversale. Entre parenthèses, le voilier, le semi-rigide est sans doute l'un des bateaux les plus distribués en France. Il ne faut pas oublier que 80% du business, c'est du motonautisme et pas de la voile. Aller sur l'eau en 2021, c'est l'écran aussi, parce que malgré tout, il y a un succès fou des applications de jeux. Ce qu'on peut retenir du jeu, c'est presque l'inverse de ce qu'on aurait tendance à penser au départ. C'est qu'effectivement, il y a des gens qui naviguent et qui vont aller jouer. Nous, on pense que le jeu, et notamment les applications, ça pourrait être un très bon pont pour apporter plus de gens vers la voile, en amenant le jeu à la voile et pas en amenant la voile vers le jeu. Aller sur l'eau en 2021, et justement là je ne fais pas de barrière, c'est aussi les pratiques légères. On observe, si vous regardez sur les 50 dernières années, ce qu'on a appelé nous une miniaturisation et une individualisation de la voile. C'est-à-dire ce qui fait rêver, c'est de plus en plus les pratiques légères. On n'est pas en train de vous dire que c'est mieux, on est en train de dire que c'est une façon d'aller sur l'eau. Tout le monde a envie d'aller sur l'eau, donc c'est ça l'imaginaire. Donc c'est le surf. Le surf, c'est quoi? C'est la sensation. Ce n'est pas que ça, mais c'est la sensation. Aller sur l'eau en 2021, c'est le SUP aussi, parce que le stand-up paddle, ça a concrétisé, on va dire, matérialisé l'envie de lenteur et un accès très facile. Et ça, il ne faut pas le mépriser, ça a eu un grand succès. Il y a beaucoup de gens qui avaient des voiliers et qui achetaient un stand-up. La glisse normalisée, le kitesurf, ça peut choquer que je dise glisse normalisée, c'est que la glisse, le windsurf, le surf, tout ça, ça s'est construit sur des valeurs très contre-culturelles. Aujourd'hui, la contre-culture a la vocation à être assimilée. Le kitesurf, on réserve un séjour de kitesurf comme on réserverait un séjour de golf ou de ski sur Internet. C'est un sport qui est consommé. Quand je le dis, ce n'est pas péjoratif, mais les gens achètent du matos. D'ailleurs, pour certains, arrivent pas toujours très formés sur les spots. En tout cas, c'est un sport qui est consommé au sens non péjoratif, mais intégré. Le wingsurf, c'est l'innovation. La grande place de l'innovation dans la glisse fait qu'il y a des pratiques nouvelles qui arrivent. On pouvait penser au départ que c'était anecdotique. On verra que ça ne l'est plus du tout. Et puis, il y a la voile qui se regarde. Donc, la voile qui se regarde, c'est quoi?
C'est l'America Cup, donc on a choisi ce visuel à dessin, c'est que ça a complètement changé les imaginaires de la voile. Donc effectivement, c'est des casques, c'est des bords à 50 nœuds, c'est passionnant, mais ça peut repousser une partie des gens. L'imaginaire de la Cup, parce qu'il faut en revenir toujours aux imaginaires de la Cup, je suis désolé, c'est la F1, d'ailleurs ils se comparent eux-mêmes à la F1. L'imaginaire en France, beaucoup, c'est le Vendée Globe. Là aussi, on peut être admiratif de ça et notamment le regarder avec le regarder comme c'est. Le Vendée Globe, c'est la technologie, la vitesse et l'aventure humaine. C'est plus proche des 24 heures du Mans que de la F1, mais c'est ça. D'ailleurs, les gens qui font de l'IMOCA, disent qu'ils font du sport mécanique. Donc, et la voile qui se regarde, c'est aussi le JO, les victoires et les médailles. Ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont juste contact avec la voile par les grands médias, la télé, l'équipe, tout ce qu'on veut. Et donc, ils voient ou le Vendée Globe ou l'America Cup, mais pas forcément le reste. Donc, la société aujourd'hui, je fais rapide, l'accélération sociale, la société aujourd'hui, c'est tout ce qu'on vit. L'accélération sociale, c'est une théorie développée par un sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa. Il y a trois parties à l'accélération sociale. C'est ce qu'on vit tous, l'accélération technique, l'accélération des changements sociaux et l'accélération des modes de vie. Donc, ça change beaucoup. C'est-à-dire que l'imaginaire de la voile, par exemple, ne peut pas être en 2021 le même qu'il était en 1970 parce que la société et le monde a changé. La planète. Ça, je ne vous apprends pas que ça devient un vrai sujet. Donc aujourd'hui, une grande partie des choix, et demain, il faut l'espérer, qu'on fera, ça sera avec les problèmes environnementaux à l'esprit. Et le dernier, c'est la pandémie mondiale. Ben, vous le savez, vous avez tous un masque, et moi, je l'ai retiré exceptionnellement parce que je suis loin de vous. Mais ça a changé beaucoup de choses. Ça peut être positif pour la voile, ça a été très négatif pour d'autres sports, mais ça a changé notre perception du monde, ça a changé nos modes de vie, ça a changé beaucoup de choses, ça a changé nos projets. Donc, c'est des choses qu'il faut garder à l'esprit quand on imagine la voile de demain. Hop, j'ai pas appuyé vraiment sur le bon bouton, mais on va s'en sortir. Ça revient, c'est bon. Un bref rappel sur le sport. Trois choses. Ça, c'est les temps sociologiques du sport. Le sport moderne, c'est ce qu'on pourrait appeler le sport traditionnel. C'est le sport des fédérations, c'est le sport qui produit de la compétition, c'est le sport qui cherche des classements. C'est grosso modo les JO, c'est les matchs de foot, les compétitions de tennis, etc. Ça, c'est jusqu'à peu près en 1980. En 1980, justement, dans les années 70 et 80, c'est le sport post-moderne. C'est le sport qui ne s'assoit plus uniquement sur la compétition. C'est l'arrivée du surf, l'arrivée du skate, l'arrivée du windsurf, l'arrivée de la grimpe, le VTT dans les pratiques sportives. Donc, on ne va plus chercher le résultat, on va chercher la sensation. Et aujourd'hui, c'est le sport transmoderne, c'est ce que disent les sociologues, c'est-à-dire que c'est un peu une évolution du sport postmoderne, mais avec peut-être un peu plus d'enjeux planétaires, justement, d'enjeux locaux, et pas forcément la sensation sans réflexion. Donc, ces trois temps du sport cohabitent, c'est-à-dire que demain, vous pouvez faire une session de surf sans vouloir faire du résultat, et puis peut-être la semaine prochaine, faire une régate avec un Figaro ou avec autre chose. Mais aujourd'hui, on considère que les gens qui sont motivés par la compétition, c'est moins de 10%. Donc l'aspect compétitif, c'est plus la grande tendance. On finit avec les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est Nike. Alors c'est un parti pris, hein, c'est les campagnes de publicité qui sont sorties il y a pas longtemps. Nike a mis en avant la lenteur. Voilà. Avec cette campagne On Your Slow, c'est-à-dire que c'est rare. Nike, qui par ailleurs, pendant les Jeux Olympiques, va mettre en avant la performance, mais met en avant la lenteur. Et ce qu'on a, nous, particulièrement apprécié, c'est que Nike a mis en avant aussi le débutant. C'est-à-dire qu'au lieu de, en sport, on vénère l'élite, on vénère celui qui maîtrise, et entre guillemets, notamment en France, on a un peu de mépris pour le débutant. Et Nike fait toute une campagne où finalement, celui qui tombe en surf, celui qui apprend, celui qui est un débutant, bah, c'est celui qu'il faut pousser en avant. Donc ça, c'est vachement important. Parce que la logique de la compétition et de l'élitisme en voile, mais même en surf, hein, est très présente. Donc, demain, on rêve de quoi ? Ben, à la lecture de tout ça, de quoi on rêve, effectivement. Donc, demain, c'est les imaginaires, et qui sont transversales. On les transpose ici à la voile, mais c'est les imaginaires qui infusent le sport. Côte Zéro, nous, on a l'habitude de réfléchir sur un spectre assez large de sport qui va de l'outdoor à la voile, en passant par le fitness et autres. Les imaginaires de demain, c'est la lenteur. Tous ceux qui ont été notamment à Hawaï ou en Polynésie savent que la pirogue a une grosse importance dans la culture maritime. Elle est quasiment absente ici. Le vol,
Tanguy nous en parlera. Le vol, c'est aujourd'hui ce qui fait le succès du windsurf. C'est pas chercher à faire les bords à 45 nœuds, ce que beaucoup de gens voudront pas faire. C'est expérimenter une sensation à travers une sensation et une expérience. Pas de performance et pas de vitesse. Le jeu, ça c'est un extrait d'une vidéo que certains ont peut-être vue de Kaileni, qui est un waterman hawaïen qui a joué avec des catamarans propulsés par un kite. Pas, là aussi, pas de performance. La mobilité, ce qui a fait le succès du stand-up paddle, c'est de pouvoir le bouger, d'aller une fois sur un lac et puis une autre fois sur un littoral. La sensation immédiate, l'e-surf, quoi qu'on en pense, c'est au bout d'une heure, vous pouvez maîtriser et avoir une sensation de vol. Donc aujourd'hui, dans le sport, les gens ne veulent plus d'une longue apprentissage, mais veulent avoir des sensations immédiates. Le calme, là, on le visualise à travers une expérience de yoga paddle. La micro-aventure, c'est-à-dire, oui, la voile, pour peut-être aller dans la crique du coin, aller expérimenter d'autres lieux, mais pas forcément faire des régates ou chercher à aller à 30 nœuds. L'exploration, là aussi, c'est dans le concept de micro-aventure. La pêche, parce que la pêche, malgré tout, avec certains d'entre vous, j'en ai parlé, c'est un vrai insight dans le sport d'aujourd'hui. C'est le loisir, et ce n'est pas forcément la performance, et c'est lié au loisir nautique. Et puis la fête, le partage. Alors là, moi, j'ai travaillé longtemps dans les magazines de voile. Faire la fête ou aller en bateau à moteur, c'était presque un blasphème. Donc aujourd'hui, faire la fête et aller en bateau à moteur sur l'eau, c'est quand même la réalité pour pas mal de gens. Dernière chose, la nouvelle performance. On en avait parlé, nous, quand on avait collaboré avec Salomon. C'est la performance de demain, c'est quoi et à quoi elle sert? Beaucoup de skippers, notamment en course large aujourd'hui, se disent « Oui, OK, on peut aller à 45 nœuds, oui, on peut faire le tour du monde en 42 jours, mais demain, ça sert à quoi » C'est-à-dire, que est-ce que ça peut être utile? Et si demain, on peut faire de la performance utile, c'est pas plus mal, parce que l'un des défauts de notre monde qui va toujours en avant, c'est justement d'aller toujours plus vite sans se poser de questions. Et quelles images pour demain? Une certitude, tout va très vite. Ça nous a fait sourire de mettre cet autocollant. Certains ont connu le même au moment où le kitesurf arrivait. C'était windsurfing has been cancelled. Donc l'arrivée du wing bouscule les cartes dans le milieu des sports de glisse. Donc là, ben, encore une fois, pour résumer, j'aurais terminé. Nouvelles attentes et nouveaux imaginaires. C'est-à-dire que le marin de demain, c'est celui qui a 10-15 ans aujourd'hui. Il n'a pas vu le même monde que vous. Ses imaginaires et ses envies ne sont pas assis forcément ni sur la Coupe de l'Amérique, ni sur ce qu'a fait Tabarly. Et il a besoin d'autres choses. Des nouveaux modes de consommation. Aujourd'hui, on zappe beaucoup plus, c'est clair, d'une catégorie à une autre. Donc la voile, elle ne peut pas se penser en tant qu'élément incontournable. Et les nouveaux rapports à l'équipement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète moins. Les nouvelles communautés aussi. Là aussi, il y a beaucoup de redéfinition de tout ça. Et exploiter son temps libre, exploiter son équilibre personnel et pas forcément chercher la perf. Mais encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que je n'aime pas la perf, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la voile. Et puis le dernier, c'est ma dernière slide, une nouvelle conception de l'océan. Il y a la même chose, j'aurais pu vous dire la même chose sur la montagne, parce que tout ce qu'on fait est assez récent finalement. La montagne, comme l'océan, il y a 300 ans, c'était un territoire hostile où personne n'allait, à part les conquérants. Et ça a été apprivoisé avec les bains de mer, mais ça débute du début du XXe siècle. Et puis ça a été un territoire surexploité et on en a tous fait partie, quoi qu'on en dise. Et aujourd'hui, l'océan, c'est un territoire à protéger. Et on ne peut pas penser la voile de demain sans penser, sans avoir ça à l'esprit. Donc je vais passer la zapette à mon ami Tanguy Le Bihan qui va vous parler du foil et il y a beaucoup de choses à dire. Bonjour, merci de m'accueillir dans ce beau lieu. Ça va être dur après Thierry de parler, mais bon. Tout d'abord, je vais me présenter très rapidement. Comme disait Thierry, en fait, j'ai un passé d'architecte naval, puis à 40 ans, j'ai eu la crise de la quarantaine, en fait, et j'ai voulu monter un espèce de monster garage. On faisait place à l'innovation dans le Finistère, avec plein de machines, plein de bonnes idées, histoire de mettre en place des idées. En tant qu'architecte naval, je voyais une techno qui est en train de se démocratiser, qui est l'hydrofoil. Et c'était un peu comme des informaticiens qui voient le web arriver. Ben, il ne fallait pas que je loupe ce créneau-là. Et puis on est parti dedans et on a monté une petite boîte et qui est en train de se développer relativement rapidement.
On traite des marques qui sont propres. AFS, qui est une marque sur le foil, et d'autres marques, HD, c'est pour la planche à voile, sur le sup, le surf, on est dans ces univers-là. Et on se démarque aussi parce qu'on a créé une usine de fabrication de pièces en carbone pré-imprégné dans le Finistère pour relocaliser une industrie qui se faisait traditionnellement en Chine ou en Thaïlande ou en tout cas en Asie. Donc, mythe ou réalité, après avoir discuté avec Thierry sur ce qu'on pouvait aborder, c'est-à-dire que le foil, on en parle beaucoup, on le voit beaucoup, mais est-ce que derrière, il y a vraiment une réalité de business, entre guillemets ? C'est-à-dire qu'on m'a toujours appris qu'une bonne idée était bonne si elle se vendait. Donc, on va parler de chiffres et on va essayer d'analyser ceci et voir si vraiment derrière, il y a quelque chose, en outre les sensations et l'image que ça découle. Tout d'abord, le foil, ben, c'est pas tout nouveau. Il y en a qui ont l'impression que ça a 10 ans, mais ça a plus de 100 ans. En fait, on parle de 1895, de premiers brevets. En fait, après les premiers avions, il y en a qui ont eu l'idée de mettre des ailes marines sous l'eau. Et puis ça s'est développé après la crise du pétrole dans les années 70. Mais c'est surtout en fait pour l'occasion de la Coupe de l'Amérique avec le président d'Oracle, Larry Ellison, qui est un milliardaire qui a mis à la voile et qui a décidé de mettre ça en avant. Et ça s'est aussi mis en place avec la fibre de carbone qui avait descendu franchement en prix. Enfin, il y a une espèce de communication, de techno, et d'un coup, on voit ça arriver entre guillemets depuis une dizaine d'années. Et puis, c'est en train de prendre de plus en plus de place dans tous les domaines en fait de la pratique de la voile ou du nautisme en général. On parle de catégories. J'ai classé en plusieurs catégories, que ce soit sur la voile ou sur le bateau à moteur. Et on va parler un peu de chiffre d'affaires. Sur cette catégorie dinghy, on avait fait une étude de marché, donc on parle bien en 2019, parce qu'en 2020, c'était un peu compliqué avec ce qui s'est passé en Covid. Mais dans le 2019, on avait fait une étude de marché, c'était pour la foiling conférence. Enfin, il y a un truc qui se fait avec Eurolarge en Bretagne. Et on avait appelé tous les fabricants, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis, pour voir un peu qu'est-ce qui se vendait et qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas. Bon, déjà, en fait, on va avoir des foilers en 2024. Vous allez voir, il y a beaucoup d'exemples, notamment avec le Nacra 17. Je pense qu'il doit y en avoir qui navigue à La Rochelle, d'ailleurs, qui a un équipage en double. Mais en fait, les premiers foilers de ce type-là, c'était les Mott. Je ne sais pas si vous en avez vu, ces petits bateaux qui sont assez fantastiques et très performants. Mais dans cette catégorie-là, donc on évaluait en fait un chiffre d'affaires global de 16 millions d'euros sur cette jeune catégorie-là, avec 3500 unités qui étaient produites en 2019. En termes de vente, ce qu'on voit en orange, c'est pas bizarrement, mais c'est finalement les bateaux les moins chers, entre 0 et 10 000 euros qui sortaient du lot. Il fallait dire qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des projets ou qui ont toujours des projets. La difficulté, c'est de rajouter ces appendices qui peuvent être coûteux et de rentrer dans un budget par rapport à la pratique générale, ou de rentrer ou d'être capable que ces bateaux puissent être abordables par du grand public. Ça reste quand même relativement technique, même si aujourd'hui, il y a plein de façons, avec des palpeurs, des choses comme ça, de faire, entre guillemets, d'auto-automatiser le vol de façon mécanique ou électronique. Ce petit bateau, c'est un bateau qui est vraiment intéressant, qui est l'UFO, qui est un bateau fabriqué aux États-Unis. Et c'est un espèce, en fait, ils ont pris un Mott à l'origine. Le Mott, c'est un bateau qui est très instable et puissant. C'est le chiffre global pour cette catégorie-là. Mondial, ouais. Voilà. Donc il faut dire qu'on est vraiment au début de l'histoire, presque en 2019. Ça a un peu évolué depuis, quand même. Mais bon, ça, c'était des chiffres qu'on avait. Donc ce petit bateau, on parle d'innovation. Voilà, tout le monde regardait les Motts, sauf qu'un Mott, c'est super instable à l'arrêt. Et il fallait faire en sorte d'avoir un bateau avec des foils qui étaient capables de se rétracter. Enfin, c'est un bon exemple, UFO, pour aller voir ce bateau-là. C'est marrant en termes de design et en plus, ça fonctionne. On change de catégorie, on monte un peu en termes de catégorie. Donc ça, c'est des bateaux qu'on connaît un peu mieux parce qu'on travaille sur certains de ces bateaux, en tout cas sur les appendices. Donc là, à gauche, vous avez, enfin, c'est principalement des bateaux de course, on va dire, avec certains bateaux qui ont quand même des grosses innovations, notamment comme le TF35. Dont une grosse partie, les coques sont fabriquées à multiplace, les appendices sont fabriqués en Bretagne, parce que ce sont des bateaux aujourd'hui qui ont entre guillemets un équilibrement électronique pour assurer la stabilité des hydrofoils en l'air. Et en fait, le but d'un TF35, c'est un espèce de gros bicat qui coûte 850 000 euros. Les 8 ont été vendus en Suisse, tous, il me semble d'ailleurs. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir naviguer à 2 sur le bateau comme naviguer à 8 en équipage. Bon, c'est un petit peu élitiste comme discours, mais ça vous donne un peu une idée. Et en fait, j'ai mis ce bateau-là, qui était le Gunboat G4, qui maintenant était repris par DNA, parce qu'entre guillemets, c'était le premier bateau de croisière de plaisance à foil. En fait, il y a une cuisine dedans, des couchettes.
Le bateau, il a fait 3 jours, il s'est mis sur le toit, ça fait beaucoup d'images. Mais bon, bref, c'était quand même assez sympa. Et aujourd'hui, c'est DNA qui a repris ce projet-là. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça de la croisière, mais bon, c'était un joli projet. La catégorie des 40 pieds et plus, on va parler des... Alors forcément, les IMOCA, tout le monde les a vus pendant le Vendée Globe, les AC-72 ou les anciens AC-50, et forcément les ultimes qui traînent pas mal chez nous en Bretagne. Ce qui est intéressant en termes de business dans ces bateaux-là, c'est qu'en gros, chaque bateau correspond à une PME. Un budget de la coupe, c'est à peu près 90 millions d'euros sur 3 ans. Un ultime, par exemple ici, c'est Gitana, c'est quasiment 40 à 50 personnes qui bossent en permanence, plus après des pas mal d'entreprises qui bossent autour, avec des budgets qui sont supérieurs à 20-25 millions d'euros par an. Donc c'est quand même intéressant. En tout cas, ça crée du business, ça crée de l'emploi. En Bretagne, sur ces bateaux de course-là, on estime à 150 millions d'euros. Ici, du coin de la Rochelle, il y a un beau chantier qui s'appelle C3 Technologies, qui fabrique des beaux imperdissants carbone. Voilà, ça fait bosser du monde, c'est pas inintéressant. Nous, on travaille, mais on ne travaille pas sur les foils. Sur ces bateaux-là, on fait pas mal de choses diverses et variées. Le kite foil, donc on arrive sur des pratiques plus légères maintenant. Ça, c'est des pratiques qui nous intéressent, nous, directement, dans notre business, dans notre boîte, même si on travaille pour des bateaux un peu plus gros de temps en temps. Ce qui est intéressant dans le kite foil, c'est que, c'est un sport qui va être en JO 2024. Donc voilà, donc déjà, c'est à dire qu'il y a une reconnaissance de ce sport-là. C'est probablement, en termes, entre guillemets, de budget, l'engin le plus performant sur l'eau. Voilà, pour être très clair, ça va très vite, ça remonte au vent, ça descend au vent, c'est assez incroyable comme machine. Après, aujourd'hui, il y avait une tendance un peu de démocratisation de ce sport avec une tendance loisir. Aujourd'hui, on va dire 90% du business, ça se fait sur de la pratique sportive, entre guillemets, voire ultra sportive. Enfin, c'est des sportifs de haut niveau qui font ce sport-là et c'est impressionnant à voir, ce sont des beaux engins. En termes de business, ça représente, c'est pas énorme, je pense qu'on va parler en termes de 500 ou 600 foils pour la race qui se font par année dans le monde entier, avec un budget autour de 3000 euros, je vous laisse faire le calcul. Windfoil, alors ça c'est une des parties, enfin nous on connaît bien ce marché-là parce qu'on était assez précurseurs avec cette planche-là, parce qu'on avait racheté une marque et qui a été précurseur parce que le premier foil, planche à voile, était apparu en 2009. Donc ça fait un petit peu plus de 10 ans, voilà. Et c'est aussi une discipline qui devient olympique avec l'IQ foil de Starboard, en fait, qui a remporté cette monotypie. Donc c'est un équipement complet. Au niveau du windsurf, aujourd'hui ça représente 70% du marché du windsurf, pour être très clair. C'est-à-dire que le reste, il reste un peu de planche de vague, tout ça. La planche de slalom, en plus, il en reste un petit peu, mais vu qu'il y a un champion français qui s'appelle Nico Goyer qui a éliminé tout le monde en slalom, il n'y a pas plus tard que la dernière Coupe du Monde, ça risque d'être compliqué. On avait une très très forte progression sur ce marché, sauf que cette progression, elle est un peu ternie, enfin, elle est en train de s'assouplir avec l'arrivée d'un nouveau sport, j'en parlerai après, qui s'appelle la wing, et on en revient après dessus. Un sport qui est très intéressant à étudier, c'est le surf ou le subfoil, on va dire. Donc c'est le foil qui va permettre d'aller utiliser une petite vague pour pouvoir se propulser. Là, c'est Bruno qui est dans le Mascaret, c'est pas très loin d'ici. C'est dans la Garonne. Dans la Garonne, c'est pas la Garonne. Faut savoir que le surf, ça peut être une des explosions du marché dans les années à venir. Je crois d'ailleurs que le groupe Decathlon est dessus avec des produits qu'ils proposent. C'est 25 millions de pratiquants réguliers le surf. On a des spots qui sont complètement saturés. On est même en train de créer des piscines à vagues plus ou moins écologiques, on va dire ça, pour créer des vagues un peu partout. Une croissance qui commence à être vraiment importante aujourd'hui. C'est-à-dire que les surfeurs, entre guillemets, avaient du mal à accepter que des gens viennent avec des foils, mais en fait, on se rend compte qu'avec un foil, on ne va pas forcément dans le même spot. Et c'est-à-dire que les endroits où aujourd'hui il y a une concentration de surfeurs qui est super importante, eh ben vous allez foiler juste à côté. Et ça devient super intéressant parce que en fait, c'était les spots, la saturation des spots qui allait limiter en fait, ce marché-là. Gros marché à venir avec une croissance qu'on est en train de mesurer depuis cette année. Et on a de plus en plus de surfeurs, un petit peu même dans le sud-ouest, qui s'y mettent. C'est assez impressionnant. Il faut quand même avoir un certain niveau pour le pratiquer. Le wing foil, alors ça c'est la nouveauté, ça fait 2 ans que ça existe, ça fait 1 an que ça a démarré, ça fait 6 mois que ça explose. Si c'est pour parler en termes de chiffres, nous cette année on triple le chiffre d'affaires de la société, notamment grâce à ce sport là, donc c'est pas rien du tout. C'est un peu un espèce de combo entre de la planche, du surf, du kite.
C'est facile à mettre à l'eau, c'est rapide à mettre à l'eau. Est-ce que c'est plus facile? J'en sais rien. Je pratiquais le foil avant et aujourd'hui, les newcomers sont quand même des gens qui venaient aussi déjà de la pratique des sports, de la pratique du foil déjà. Mais on a des gens qui se mettent. On travaille beaucoup, nous, avec l'UCPA. Et l'UCPA, aujourd'hui, nous disent qu'ils sont harcelés par des gens qui disent « Moi, j'ai envie de faire du wing. » Parce qu'ils ont vu quelqu'un faire du wing. C'est accessible. Pour donner une idée, j'y croyais pas du tout il y a 2 ans. Il y a 1 an, on a développé des nouvelles ailes un peu plus rigides, c'est chouette. Je faisais beaucoup de planches à foil ou d'autres supports. Je n'ai pas touché une planche à voile depuis 1 an aujourd'hui, au mois d'août. Je fais que ça et j'en fais 3 fois par semaine quand il y a du vent. C'est addictif, c'est top, on peut en faire partout. Et même une de nos fiertés, c'est on a 38 clients qui naviguent à Jablin à côté de Paris. Donc j'avais une image de ça. Mais aujourd'hui, on peut habiter Paris et pratiquer un sport de glisse, on peut pratiquer du foil même en habitant la capitale. Ça, c'est super important. Croissance plus plus. Moteur, alors je pourrais parler des heures parce que je suis passionné de bateaux à moteur, j'ai fait un paquet de bateaux à moteur, mais je sais qu'on est chez Tribord, mais c'est 80% du marché mondial aujourd'hui. Les foils électriques, je crois que dans vos magasins, il y a une marque Takuma là, que vous vendez, c'est passé de 15-20 000 euros à 5 000 euros. C'est un engin qui c'est en sensation, c'est assez exceptionnel, hein, franchement. Si on pouvait avoir ça à la place des jet skis, alors j'ai rien contre les jet skis, mais c'est un peu moins bruyant. On va dire, en effet, ça permet demain d'aller avoir les sensations du foil le plus facilement possible et de se déplacer sur l'eau. Les autonomies commencent à être bonnes, les technos commencent à être bonnes, ça commence à devenir fiable. Le leader mondial, c'est Lift. Je vous encourage à aller voir ses vidéos, il fait rêver sur des vidéos tournées à Miami, où je ne sais pas comment ils font, il n'y a personne dans la ville, c'est assez incroyable. Sinon, dans le bateau à moteur, il y a plein de projets divers et variés. Il n'y en a qu'un seul réellement qui se vend, donc c'est un projet suédois. Ça se vend quand même relativement cher, parce que ça vaut 300 et quelques 1000 euros le bateau, et on a à peu près la même place que dans la semi-rigide de 5 mètres. Mais bon, ça marche bien qu'on est en Suisse, mais avec pas mal de projets qui sont en train de se développer autour du transport de passagers. J'ai presque fini. Le futur du marché, alors, je suis comme Thierry, je ne peux pas donner ce qu'est le futur du marché. Ça, c'est un projet qu'on a fait en 2008. Et en 2008, franchement, on s'était dit, parce qu'on travaillait sur les bateaux à moteur électrique, on s'était dit, en 2009, on sera déjà dépassé. En fait, finalement, on voit qu'on n'est pas franchement dépassé. L'avenir du motonautisme à foil va vraiment être important, car il y a un intérêt majeur pour ces bateaux à moteur. C'est-à-dire qu'on a une consommation de l'ordre de 50% de moins de carburant, et on n'a pas d'effet de mer, qui sont une des problématiques aujourd'hui, je parle du nautisme, pour les bateaux. Je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop long. Bonjour, ça marche? Ouais. Moi, je suis un marin. Je suis d'abord et avant tout un marin. Je ne suis pas un vendeur de bateaux, même si je vends des bateaux aujourd'hui. Ma priorité dans la vie, c'est d'aller sur l'eau, c'est d'aller dans l'eau. C'est de naviguer, de glisser. Et je passe beaucoup de temps à lire aussi Twitter et les réseaux sociaux. Et on n'est souvent pas d'accord avec Thierry. Ou je suis souvent, moi, pas d'accord avec ce qu'il écrit. Quand il parle de lenteur, quand il parle de performance, j'ai aussi un passé de compétiteur. Et moi, j'aime vraiment la compétition pure. Mais ce n'est pas pour vous parler de moi que je suis ici. Quand j'ai découvert la voile il y a quelques années, pas si longtemps que ça, dans les années 70, je faisais de l'optimiste, comme beaucoup de mes copains, comme mon frère. Énormément d'optimistes ont passé des heures et des heures sur l'eau. Les croisières, elles étaient sur un sangria, 7,60 m. Je m'interdis totalement de le comparer en pied, parce qu'aujourd'hui, ça ne voudrait plus rien dire. 7,60 m à 4, je dormais dans un placard qu'on sortait le soir pour que je puisse m'allonger. Et puis, avec mon frère, quand mon père ne s'en servait pas, on se servait de la Tenkat 35, une windsurfer, avec une voile de 6 mètres carrés, un wishbone qui tenait comme ça. Il fallait que je monte à l'arrière du wish, que je fasse couler l'arrière de la voile, pour arriver à soulever la voile quand j'avais 8-9 ans. C'est une toute autre époque, vraiment un autre monde pour moi. Aujourd'hui, j'ai une fille qui s'appelle Margot, qui fait de l'optimiste aussi, qui a 13 ans. Mais sauf qu'à 13 ans, elle a navigué en OneFly. OneFly, c'est du mot à foil. Elle a navigué en Acra 15, en Acra 17. Elle a volé en Acra 17 avec d'autres coureurs. Elle a navigué sur le Tour de France à la voile en Diam 24. Elle fait de la planche à voile. Elle a fait du surf, elle tient debout sur un surf. Elle a un panel, un choix, une variété de choix au même âge qui est juste monstrueux.
quand j'étais gamin ou quand j'étais ado, je me disais, putain, la voile, c'est génial parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Je faisais de la compète en opti, j'ai fait de la compète en 420, j'ai fait beaucoup de dériveurs et mon pied, c'était de tourner autour de trois bouées. Et pourtant, dès que j'étais en vacances, pas en régate, ben, mon pied, c'était me lever le matin, de regarder par la fenêtre, il y avait du vent, je mettais ma planche sur mon vélo, je descendais à Sanary-sur-Mer, à Brutal Beach, et je passais mes journées sur l'eau en planche, j'avais une voile, une mauvaise voile, une planche, et je naviguais toute la journée, toute la journée. Et là, il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas de bouée à aller virer ou à jiber autour, mais c'était le même plaisir, c'est le besoin d'aller sur l'eau en permanence. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, ouais, ça fait quand même 30 ans, la même personne, la même éducation, le même environnement, il a un choix juste monstrueux, et il a le même plaisir, enfin Margot a le même plaisir à aller sur l'eau, et elle est sur l'eau, elle a passé ses deux dernières journées sur l'eau avec le groupe ici. Elle adore aller tourner autour des bouées, elle adore prendre des départs et en même temps elle adore glisser sur l'eau. Et ce mot glisse, ce mot être sur l'eau, c'est pour ça que j'adore le titre de la conférence, comment on ira sur l'eau. Vraiment, pour moi, aller sur l'eau, c'est la question que je me pose tous les jours. Comment aujourd'hui je vais faire pour aller sur l'eau? Comment la semaine prochaine je vais aller sur l'eau? Comment plus tard je vais aller sur l'eau? J'ai un père qui a 75 ans et qui passe ses journées sur l'eau. Il fait du dériveur, il fait des milliers de kilomètres pour traverser l'Europe pour aller régater en yacht hockey à l'autre bout de l'Europe. Il a toujours cette même passion. On est dans une famille où vraiment la mer, mais c'est ce plaisir d'être sur l'eau pour pêcher, effectivement. On arrive à alterner les plaisirs et je trouve qu'on a vraiment une chance extraordinaire avec cet environnement marin et avec le sport qu'on pratique de pouvoir vraiment trouver tous les plaisirs qu'on peut imaginer. Alors, est-ce que Margot gagnera le Vendée Globe d'ici 10, 20 ou 30 ans? Je ne sais pas, je lui souhaite, j'en sais rien, je ne sais même pas si elle le fera. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de parcours concret pour aller gagner le Vendée Globe ou même y participer. Tout à l'heure, Thierry, quand tu parlais, je pense beaucoup à Romain Athanasio. Romain, vous le connaissez, il a 3 ou 4 Vendée Globe. Ce n'est pas un gars qui a fait du dériveur, c'est un Parisien pur. À 20 ans, il s'est dit « je vais faire la mini ». Il est arrivé avec un mini bas de gamme. Il a fait grandir son projet. Il a coulé sur sa première mini. Il a refait une deuxième mini. Il a mieux marché. Après, il s'est dit « je veux progresser, donc je vais aller faire du Figaro ». On a fait du Figaro ensemble. Il a progressé. Puis un jour, il s'est dit « moi aussi, je veux faire le Vendée Globe ». Et il a acheté un vieux 60 pieds pour 300 000 euros. Il a fait son Vendée à l'arrache. Vous vous rappelez, il s'est arrêté en Afrique du Sud. Il a réparé son safran. Il a failli abandonner 28 fois, mais il est allé au bout de son projet. Et au bout de 3 Vendée Globe, ben, là, il va avoir un monocoque à foil, il va avoir un Imoca à foil, donc il va être compétitif. Il ne va pas forcément gagner, il n'aura pas forcément le meilleur bateau, mais n'empêche qu'il sera compétitif. Et il a fait progresser son projet de A à Z. Il a eu le courage, le talent, l'inventivité, l'audace d'aller au bout de cette histoire-là. On a d'autres coureurs qui sont issus de... Ben, je pense à Damien Seguin, qui est issu de la voile olympique, purement olympique, paralympique même. Lui, c'est un pur produit fédéral. Hein. Il a fait les Jeux, médaillé aux Jeux, et derrière, il se met à la course au large. Il a pris le temps d'apprendre à faire du Figaro. Et ensuite, il s'est mis au Vendée Globe et il passe sur des gros bateaux. Il a franchi toutes les étapes une à une. Et puis, on a des gars à qui je pourrais penser. Jérémy Bayou, pareil. Jérémy, il a fait énormément de dériveurs. Hein. Il a été parmi les meilleurs Français en Moto-Europe. Et puis ensuite, en Figaro, c'était un tueur en Figaro. Il a gagné 3 fois le Figaro. Et derrière, le Vendée Globe, avec un projet tout de suite assez performant, qui n'est pas allé au bout, mais des projets qui ont grandi. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'effectivement, le titre, c'est « Tous les chemins mènent au large ». À partir du moment où on a envie d'aller faire de la course au large, de faire du large, il n'y a pas de chemin tracé, il n'y a pas d'histoire toute écrite. Et aujourd'hui, à la maison, le soir, quand on discute, et Margot dit « moi, je ferai le Vendée Globe plus tard », sa mère lui dit « passe ton bac d'abord », ça veut dire « fais d'abord de l'olympisme, fais d'abord du dériveur et ensuite tu verras ». Mais effectivement, il n'y a pas de chemin type. Et c'est ça qui est génial dans la voile. Hein. Encore une fois, on est dans un environnement hyper varié. Du coup, il n'y a pas de chemin idéal. Mais alors, le monocoque, finalement, est-ce que c'est vrai, on peut se poser la question, est-ce qu'il a un avenir, ce monocoque? Parce que le monocoque, c'est petit, ça manque de place, ça ne va pas vite. Ça tape dans la vague, c'est un peu has-been, ça gîte. Pour un non-marin, ce n'est pas forcément agréable. Ben en tant que directeur commercial Musso, Dufour, je vous dis oui, évidemment, ça a un avenir. Et ça a probablement le plus bel avenir de tous, parce qu'on se rend compte qu'on vend beaucoup plus de monocoques que de multicoques. Le monocoque, dans l'imaginaire de tout le monde, c'est le voilier.
le vrai voilier. Quand on parle avec des clients, ils nous disent « je préfère un monocoque parce que je barre un monocoque, je barre pas un catamaran. Je n'ai pas les mêmes sensations sur un catamaran de croisière que sur un monocoque de croisière. » Je ne vais pas comparer monocoque et multicoque, hein, ce n'est pas ça l'idée. D'autant qu'on fait partie du même groupe avec Fontaine Pajot, donc je ne vais surtout pas cracher dans la soupe. Mais le monocoque a cette population de passionnés, d'anciens. Tout le monde a navigué, tout le monde a fait de l'optimisme, tout le monde a un peu navigué dans sa vie. Et tout le monde, à la barre d'un monocoque, se retrouve finalement les sensations qu'il a eues auparavant. Et tout le monde a, quelque part, tous les gens qui viennent sur le monocoque ont une histoire avec ce bateau. L'avantage aussi, c'est qu'il prend moins de place. Il offre de plus en plus de place, mais il en prend moins que les petits. On sait que les ports sont débordés. On sait aussi que les prix des matières premières font que flamber, surtout en ce moment, depuis l'histoire du Covid. Donc un monocoque, finalement, c'est économique, c'est écologique, et c'est quand même un bateau qui reste très agréable à naviguer, qui offre des sensations sans faire peur, hein, sur les bateaux de croisière. On ne cherche pas à faire peur, mais c'est quand même un bateau de référence. C'est un bateau de référence parce que quand on prend le Vendée Globe, ce sont des monocoques. Quand on fait le tour de la planète, on le fait en monocoque d'abord, avant de le faire en ultime, en multi, pour certains grands chanceux. La Coupe de l'Amérique est revenue sur des monocoques, donc c'est vraiment la dimension de base. Donc pour répondre à la question, pour moi, le monocoque, oui, il a clairement un avenir et de plus en plus brillant. La question qu'on se pose chez Dufour et dans le groupe Fontaine Pajot, c'est quoi le futur? C'est quoi demain? C'est quoi après-demain? Et c'est quoi plus tard? Donc on a une page blanche, hein, bien représentée, un cahier. Et la première chose qu'on met sur notre première page en haut à gauche, c'est pas de dire on veut un monocoque à foil, on veut faire un bateau de croisière qui ira vite, on veut faire un... Non, c'est pas ça. On veut faire un bateau écologique. On fait de la voile, on navigue avec du vent, qui est un sport... une énergie renouvelable, mais au final, nos bateaux, c'est les poubelles, quoi. C'est les poubelles. C'est de la matière plastique qui est pas du tout recyclable. On met des moteurs dedans, on fait des voiles qu'on va changer tous les X années, tous les 6 mois si je fais de la régate, tous les 5 ans si je fais de la croisière. Et nous, c'est pas ça qu'on veut. C'est vraiment pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que nos bateaux ils soient recyclables, qu'on puisse les retraiter derrière. Ce qu'on veut, c'est utiliser de la fibre de lin. On a vu, hein, j'ai en tête le nom de Capucine Trochet, qui a été une des premières à faire des projets écologiques, partir avec un bateau relativement autonome. On a vu des mini construits avec de la fibre de lin. Et puis aujourd'hui, le lien avec la course au large, il se fait facilement, parce que je pense à la Louis Rouquayrol, qui a un projet multi avec Arkema, et il développe des résines qui sont recyclables. Et ça, pour nous, c'est complètement nouveau, et c'est vraiment l'avenir. On veut vraiment des bateaux qui ne soient plus des fossiles, quoi. On veut pas que dans 100 ans, dans 200 ans, les gens retrouvent encore des monocoques en plastique du four de ces années 2020. Donc ça, c'est pas possible. Dans le même ordre d'idée, on veut que, et ce que nous demandent nos clients aussi d'ailleurs, c'est ils veulent être autonomes sur leur bateau. Ils veulent pouvoir produire leur énergie. Donc les panneaux solaires, c'est relativement facile, ça marche bien. On sait faire des voiles solaires, on sait faire des panneaux solaires sur les bimini, c'est relativement simple. Les gars sur le Vendée, ils ont des panneaux solaires, ils ont des turbines dans l'eau pour faire de l'énergie, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont toujours un peu un générateur, mais n'empêche qu'ils sont relativement autonomes. Et nous, nos clients nous poussent à aller plus loin. Ils nous demandent aussi de produire leur propre eau. Donc ça, c'est assez ancien. Hein. On produit de l'eau, on a des watermakers, des désalinisateurs sur les bateaux. Mais on se rend compte que le besoin en eau, il est de plus en plus important, parce que avant sur les bateaux, on prenait une douche et puis une petite douche rapide pour se rincer. Aujourd'hui, on prend des douches, on a le lave-vaisselle, on a le lave-linge, on a le lave-linge sèche-linge, on fait la cuisine, c'est du délire, parce que la consommation d'eau sur les bateaux. Donc la production d'eau en autonomie, elle est ultra importante. À côté de ça, viennent s'ajouter des sujets qu'on n'arrive pas encore à traiter correctement et qui vont se traiter. Mais c'est les sujets qui sont aussi à traiter à terre. C'est tout ce qui est traitement des eaux usées. Les eaux noires, aujourd'hui, on a des réservoirs d'eau noire. On les garde et puis on va au large et on les vide au large. Et puis personne ne voit rien, tout va bien. Il y a certains pays où c'est interdit. Il faut garder, traiter, nettoyer. Et on commence à voir arriver des clients qui demandent à traiter les eaux grises. On veut enlever des réservoirs d'eau douce, on met un watermaker,
on enlève un réservoir d'eau douce et on met un réservoir d'eau grise. Ça permet de moins évacuer de déchets. Bizarrement, ça ne vient pas de la France ou de l'Europe de l'Ouest, ça vient plutôt des pays orientaux qui sont en avance sur ces sujets-là. Je dis bizarrement parce qu'on a tendance à se mettre en avant quand on parle d'écologie. Les autres sujets importants, vous les connaissez, hein, c'est la propulsion électrique. Mais la propulsion électrique, quand vous avez un moteur électrique avec des batteries et que vos batteries sont alimentées par un générateur au diesel, ça n'a pas de sens. Donc on, évidemment, on réfléchit à des batteries au lithium, on réfléchit à des batteries à des piles à combustion, on réfléchit à tout un tas de systèmes. Et on a chez nous une cellule de réflexion avec des chefs de projet, des archis, des ingénieurs et puis des commerciaux pour réfléchir à ce que sera le bateau écologique du futur. Mais à côté de ça, on rajoute tout un tas de jouets. Hein, je vous l'ai dit, il y a des douches, des lave-vaisselle, des lave-linges. Il y a des télévisions. Maintenant, dans un bateau de 45 pieds, vous avez deux télés, une dans la cabine propriétaire, une dans le salon. Je n'ai jamais regardé la télé sur un bateau, mais on regarde la télé. On a la clim. Aujourd'hui, on ne vend pas un bateau en Asie sans la clim. Un bateau de 35 pieds, si vous n'avez pas la clim, bah, ce n'est même pas la peine d'en parler. C'est le premier sujet. Donc, s'il y a la clim, il faut le générateur. Donc, tout ça, c'est des équipements en plus. Et puis, il faut les jouets gonflables. Il faut les toboggans, il faut le paddle, il faut les engins dont on a parlé tout à l'heure. Et alors c'est tout petit, mais ça me va bien parce que c'est une photo qui sera dévoilée demain, parce que demain on a notre conférence mondiale là, avec les concessionnaires ici à La Rochelle. Et la photo, ils ne l'ont pas vue, la photo du bas, vous la voyez mal, ça me va bien. C'est notre prochain bateau qui va être annoncé demain, sur lequel on s'est amusé à rajouter des petits gadgets. Il y a un porte wing foil à l'arrière, donc on pourra naviguer avec sa planche à foil posé sur un rack, comme sur les bateaux de wakeboard, rangé, on pourra naviguer, puis sauter à l'eau avec son aile de wing, naviguer à côté du bateau pendant que les enfants gardent le bateau, le père navigue en wing, parce que c'est ça l'avenir du monocoque aussi, c'est retrouver cette variété des choix, cette variété de choix dont je parlais au tout début, c'est naviguer en monocoque, certes, à 7 nœuds, à 8 nœuds, à 10 nœuds, et en même temps, ben, pouvoir s'amarrer, tirer un bout derrière le bateau, sortir sur un wake à foil, c'est se mouiller au milieu d'une crique déserte et puis partir en paddle. C'est, tous ces jouets-là, on veut pouvoir les avoir à bord. Il y a les jouets que je qualifie plutôt de néfastes, comme la télé et l'air conditionné, et il y a tous ces jouets qui sont quand même, pour moi, assez indispensables dans la croisière et dans le loisir, dans le plaisir de la plaisance, qui sont tous ces toys qu'on a avec des foils et qui permettent de prolonger en fait ce plaisir du monocoque. Et je crois que j'arrive... Ah non, pardon. Et alors, pour qui le monocoque, ouais, pour qui, c'est la question qu'on se pose encore une fois régulièrement. La crise du Covid nous a appris beaucoup de choses. Les mentalités ont changé, on a tous changé nos programmes, on s'est tous sentis un peu enfermés chez nous. Ceux qui avaient un jardin se sont dit « j'ai de la chance, j'ai un jardin, j'en profite ». Ceux qui n'avaient pas de jardin ou qui avaient l'habitude de voyager se sont retrouvés un peu enfermés et les plans se sont reconstruits. Donc quand on est chez soi un peu enfermé, on va sur Internet, on cherche les idées. Et nous, on s'est rendu compte que avec cette crise, notre population, notre clientèle a été complètement modifiée. Jusqu'à présent, c'était 50% charter, 50% propriétaire. Aujourd'hui, cette année, c'est 90% propriétaire, 10% du charter. L'année prochaine, on passe à 70-30. On sait que dans 3 ans, il y aura un rattrapage des sociétés de charter quand les gens vont se remettre à voyager. Mais aujourd'hui, on remarque un énorme engouement pour la plaisance. Pourquoi ? Simplement parce que quand on est sur son bateau, on est libre, on peut aller où on veut, on peut aller quand on veut sur son bateau, et puis surtout, on est entre nous. C'est un prolongement de la maison, comme un camping-car, c'est juste un prolongement de son jardin. Au final, le jardin, il n'y a plus l'herbe à tondre, il y a juste à sortir du port, à bien amarrer son bateau. Et ça, c'est pour la voile, en tout cas, la voile a vraiment profité de cet événement-là. Est-ce qu'on est coureur ou plaisancier ? Ben, on le voit, il y a un ponton plein de bateaux de régate, hein, de transquadra. Je connais pas ça ailleurs dans d'autres ports, c'est très, pour moi, typique à La Rochelle. Je pense qu'il y a une vraie démarcation entre les coureurs et les plaisanciers. Autant le plaisancier il va avoir un choix hyper diversifié, autant le coureur il sait ce qu'il veut, il est inscrit dans un programme précis, il va optimiser son bateau pour un type de régate, pour un type de résultat, parce qu'il veut gagner la régate en temps compensé, donc il va faire son bateau en fonction de ça. Autant en croisière, le choix est plus vaste. Mais on a quand même les deux populations avec une
proportion qui augmente fortement vers le plaisancier, plus que vers la régate. Sédentaires ou voyageurs, j'ai voulu dire par là qu'on a des bateaux qui restent dans le même port et les gens sont très heureux d'avoir un camp de base dans un port, d'aller naviguer jusqu'à l'île de Ré, revenir pas plus loin, à la Grande Motte, aller faire le tour d'un bord nulle part et revenir pendant 2 heures. Et en même temps, il y en a dont le programme, c'est le tour du monde, c'est les tours du mondiste, et ils veulent partir. Et ils construisent ou ils achètent des bateaux, ils modifient leurs bateaux, ils adaptent leurs bateaux en fonction de ce programme-là. Et bizarrement, c'est pas parce qu'on est sédentaire qu'on n'a pas besoin d'autonomie ou d'écologie, alors que le tour du mondiste, lui, on comprend facilement qu'il en a besoin. Bricoleur ou milliardaire, ce dont on se rend compte aujourd'hui aussi avec l'apprentissage du Covid, c'est que les riches sont devenus plus riches. Ils achètent des bateaux encore plus grands. Il n'y a pas si longtemps, j'étais en Italie à présenter notre plus gros bateau à un client italien. Pour moi, il allait acheter un 60 pieds, donc c'est un gros bateau, quelqu'un qui connaît le bateau. Et donc, en sortant du port, je lui dis, ben, vas-y, prends la barre. Et puis, je lui dis, ben non, l'avant, c'est plutôt là-bas du bateau, c'est le côté pointu du bateau. On a des gens très riches qui ne savent pas ce que c'est qu'un bateau, mais qui ont ce lien avec l'imaginaire du bateau et qui veulent un bateau et qui ont dit, ben voilà, je veux le plus gros bateau de la marque et je me l'achète parce que j'ai les moyens. À la fin de la navigation, il s'est dit, ben, je vais prendre un skipper, c'est pas grave, mais mon rêve va se poursuivre et je vais aller au bout de mon rêve. Et je trouve ça juste magique de pouvoir se dire, enfin, c'est une chance extraordinaire pour nous, navigants, de se dire qu'il y a des gens comme ça qui investissent dans nos sports et qui nous permettent de le faire grandir et de le faire évoluer. Et en même temps, on a des nouveaux venus, beaucoup de newcomers, le mot que tu as utilisé tout à l'heure, Tanguy. Je trouve qu'on a un renouveau de la clientèle. Dans le monocoque, on pourrait dire, nos clients, ils ont 60, 70, ou entre, ouais, 60 ans, ce serait la moyenne d'âge. Ils veulent du bois foncé. Non, aujourd'hui, on met des bois clairs. On met du blanc, on met de la luminosité dans nos bateaux parce que nos clients, ils sont de plus en plus jeunes. C'est pas étonnant de voir quelqu'un de 40 ans acheter un 45 pieds. C'est pas étonnant de voir quelqu'un de 35 ans acheter un 30 pieds. Alors le bateau que vous n'avez pas vu en photo, vous avez mal vu, c'est un petit bateau. Et on est sûr du succès parce qu'il y a cette demande. Comme on va acheter une Audi RS, on va acheter un Dufour sportif avec un peu plus de boost, un peu plus de gadgets à bord. Et cette population-là qui fait du wing foil, elle cherche des bateaux dynamiques. Donc toutes les tailles de bateaux sont concernées. Et finalement, la conclusion de tout ça, c'est que effectivement, on a vraiment une chance extraordinaire, nous les marins, ceux qui vont sur l'eau, c'est que bah, finalement l'océan est vaste, le choix est tellement varié qu'on aurait tort de se priver de ce plaisir d'aller sur l'eau. Voilà. Merci à eux deux. Alors, en guise de conclusion, avant qu'on passe aux questions, puisque j'imagine que vous avez plein de questions que vous pourrez poser ou à Guéno ou à Guillaume et qui vont nous rejoindre, et puis bien sûr Nicolas et Tanguy. Ce qu'on a voulu faire en présentant cette conférence, c'était, on a même réfléchi longuement, même sur le titre, c'était comment irons-nous sur l'eau. Je crois que tous les deux en ont parlé aujourd'hui. La culture maritime, elle est vraiment transversale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cet effet compartiment qu'il y avait avant. Les gens vont sur l'eau en bateau à moteur. Le bateau à moteur va sûrement beaucoup évoluer avec l'arrivée des foils, avec l'arrivée de la propulsion électrique. Il y a la glisse qui a beaucoup conquis un large public et qui devient de plus en plus accessible. Et il y a des gens qui font de la voile et de la glisse. Il y a même des skippers très connus qui font les deux. Donc il y a aussi, si j'ai invité Nicolas, c'était bien sûr pour parler de monocoque, parce que finalement, dans tout ça, on a tendance à penser que catamaran, c'est parfait pour aller voyager, que la glisse, c'est parfait pour avoir des sensations. Et à la fin, on se demande ce qu'est le monocoque, on a presque l'impression que le monocoque sans foil, entre guillemets, serait ringard, alors que finalement, Nicolas, on parle très bien, ça s'adresse à des gens qui ont une culture maritime forte, et ça reste un produit qui est incontournable, à notre avis. Donc, ce qu'on a vraiment cherché à faire, c'est vous apporter un maximum d'éclairage, y compris sur toutes les aspects sociétaux qui font que les goûts, les cultures changent. Et puis, comment irons-nous sur l'eau en 2040? Ben oui, effectivement, ça sera sur tous ces engins-là. Le wing vient d'arriver, il est sûrement amené à durer, mais tout ce qui est très traditionnel, finalement, comme le monocoque, va continuer à se développer. Ils vont sûrement continuer à innover. Il y a aussi, on pense,
des paramètres liés à la planète qui vont faire que peut-être on va innover sur des bateaux peut-être encore plus basiques. On a vu des projets passer il y a quelques années sur des bateaux avec un esprit très outdoor, très je vais dans la crique d'à côté, je campe. Encore une fois, pas de paramètre performance, mais un paramètre exploration. Donc finalement, la culture outdoor vient grignoter sur la culture voile. Donc il y a plein d'innovations qui risquent d'arriver avec peut-être des bateaux de plus en plus basiques dans leur conception pour avoir des prix le plus intéressant possible. Parce que finalement, comme dans l'automobile, il y a quelques années, il y avait une inflation des prix du luxe, et je pense que le paramètre sociétal va aussi peut-être amener dans l'avenir à avoir peut-être sur certains produits luxueux effectivement deux télés, mais sur des produits basiques des prestations beaucoup plus limitées, mais parce que on voudra des bateaux qui aient le moins d'impact possible. Donc finalement, aller sur l'eau en 2040, ça sera tout ça à la fois, et j'espère que cette conférence vous a finalement ouvert l'esprit, en tout cas, amener beaucoup d'éléments supplémentaires pour vos réflexions. Merci à tous. Et puis, on va passer... Et puis, effectivement, Claire va passer parmi vous pour qu'on sélectionne quelques questions. On va essayer d'y répondre au maximum, qu'elles soient effectivement... adressé à Nico, Tanguy ou Guillaume et Guéno. Et voilà. Et après, ça sera l'apéro. Donc, je pense que vous, si vous voulez vous exprimer, il va falloir vous, il va falloir lever la main, faire des gestes, crier. Et vous êtes... Bonsoir. Merci pour vos interventions et les sujets de réflexion que vous nous soumettez. En vous écoutant, je me posais une question. Vous avez parlé de Vendée Globe. On voit qu'il y a des bateaux qui traversent des générations de manière très rapide, qui sont aussi transformés. Il y a des IMOCA à dérive qui ont différentes générations de folles qui s'y mettent. Dans vos présentations, vous parlez beaucoup de nouveaux supports. Et est-ce que les supports 2020 seront aussi les supports de 2040, mais transformés, comme on peut le voir à l'image de ce qui se fait sur les IMOCA? Moi, j'ai envie de dire j'espère. J'espère qu'on va réutiliser les coques, j'espère qu'on va réutiliser les gréements, qu'on va pouvoir juste transformer, modifier. Il faut garder un bémol à l'esprit, c'est... je pense au bateau d'Arnaud Boissière de Cali. Il a mis des foils, il est passé d'un bateau dérive à un bateau à foil, mais le bateau, il n'est pas du tout fait pour des foils et il n'avance pas plus vite qu'avant, donc ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Enfin, il va un peu plus vite à certaines allures, mais quand on en parle avec lui, il dit que c'est du marketing. Il ne faut pas mettre du foil pour mettre du foil. Il ne faut pas transformer les bateaux pour les mettre à la mode. Il faut les utiliser peut-être encore mieux, les optimiser plutôt que les transformer. Mais j'espère évidemment qu'on utilisera encore, dans l'histoire de recyclage, de réutilisation, j'espère que la durée de vie des IMOCA, ce n'est pas juste un Vendée Globe, c'est au moins 3 ou 4. Et on le voit aujourd'hui. Hein. Comme vous le disiez, il y a des bateaux qui ont plusieurs Vendée Globe au compteur et qui sont... Alors moins performants, mais qui sont le bateau d'Yannick cette année, c'est un vieux bateau, c'est un assez vieux bateau, il a deux Vendée Globe, je pense. Donc oui, on pourra faire évoluer ces bateaux, oui, on pourra les transformer, et j'espère le plus longtemps possible. Ce qui peut aider à faire évoluer ça, c'est la jauge, les contraintes de jauge. Donc c'est ce que les coureurs et les organisateurs vont s'imposer. Aujourd'hui, on se limite dans certaines choses, mais on se laisse tellement de liberté que finalement, les bateaux peuvent devenir obsolètes. Est-ce qu'il ne faut pas revenir un peu à la raison et se dire, ce bateau-là, un peu comme on parlait à un moment où on disait la performance, pourquoi faire? Est-ce qu'on ne met pas une limite à la performance ou est-ce qu'on ne met pas une limite au développement? Moi, je trouverais ça dommage de mettre une limite parce que, quelque part, c'est l'évolution, c'est la Formule 1 qui a fait évoluer les voitures, c'est le Vendée Globe qui fait évoluer nos bateaux. Et qui fait évoluer aussi les constructions. Plus on a des gros budgets dans la voile, plus on va pouvoir faire évoluer les bateaux et donc les modes de fabrication et donc trouver des choses plus durables, plus recyclables. Donc pour moi, il ne faut pas mettre de limite à la performance, mais il faut savoir rester raisonnable. Donc c'est une balance, c'est comme quand on navigue au pré, hein, c'est toujours est-ce que je fais du cap ou est-ce que j'accélère, je choisis la direction. C'est c'est l'histoire de la mer, l'histoire de la voile, toujours une histoire de compromis. Mais oui, j'espère. Toc, toc. Nous, on a pas mal travaillé avec un célèbre skipper qui s'appelle Jean Le Cam, qui est quand même
une belle figure. On a passé quelques soirées à discuter foiler, non foiler, s'il connaît mon appétence pour les appendices, et lui donc pour son vieux bateau. Une chose qui est importante à noter, c'est qu'aujourd'hui, donc il y a eu je ne sais pas combien de nouveaux bateaux qui sont en construction, vous n'avez pas de foil sur un bateau de Vendée Globe, vous n'avez pas de budget. Ça, c'est important à noter. Après, d'une question technique, est-ce qu'on peut rajouter ce type d'appendice sur un ancien bateau? Un foiler, il faut que ce soit léger. On ne peut pas faire voler quelque chose qui est lourd. Il y a eu des projets, je ne vais pas citer le nom, mais de bateau-taxi à un moment donné, qui avait été limité à une vitesse de 8 km/h sur la Seine. Bah, ça ne marche pas. C'est comme si on vous demandait, est-ce qu'on peut faire voler un 38 tonnes à 40 km/h? On peut, en mettant des ailes de 4 km, mais ça ne fonctionne pas. Par contre, le fait de recycler les anciens bateaux, de les réutiliser, comme Nicolas disait, c'est-à-dire que des coques en polyester, ça dure 40 ou 50 ans. Il y a une appétence depuis pour un retour à la croisière depuis le Covid. Moi, j'ai une expérience personnelle. En fait, j'ai changé de métier à un moment donné, justement, à ma crise de la quarantaine, où je suis parti du métier d'architecte naval, où je faisais beaucoup de bateaux à moteur. J'aime toujours le bateau à moteur, c'est technique. J'ai commencé à faire des bateaux de pêche quand j'étais jeune, quand mes copains partaient faire les mini-transats. C'était un choix. Économiquement, c'était pas débile, vu qu'on traitait 80% du marché, il faut bien le dire. C'était des bateaux techniques. On a travaillé sur des bateaux qui, les plus gros bateaux qu'on a fait, c'est 110 mètres de long. Donc ça a commencé à être des belles bestioles, avec des expériences clients un peu bizarroïdes. Mais l'approche du bateau, c'était justement d'avoir un vieux bateau. Mon premier bateau, Thierry, il s'en souvient, j'avais été chercher un grand banc sans éternel qui était un bateau en bois. Je l'avais pris parce que pour moi, le bois, c'est un matériau qui était durable. Et je l'avais utilisé comme une base technique de loisirs avancés. C'est-à-dire que j'avais du matos de kite, du matos de plongée. Je mettais les gamins dessus, le chien, tout ça, et ça, c'était topissime. Et tous mes collègues de chez Beneteau, parce que je travaillais sur les Monte Carlo, tu sais, ils sautaient de ma gueule, ils disaient, mais comment ça se fait que tu peux faire du bateau abîmeux, quoi? Et moi, je leur disais, bah, faire du bateau à 8 nœuds, de toute façon, je pose dans la 15 nœuds et ça consomme trop pour la 15 nœuds. Ça peut être un des avenirs, en fait, et de bien savoir en fait, cibler ses clients par la suite. Okay. Il y a une autre question. Ouais. Merci. Ouais, bonjour à tous et merci. Une question, c'est pour Tanguy et Guénolé, justement. Le foil aujourd'hui, ça demande de la rigidité, ça demande du développement, de la technique, et de fait un prix quand même assez cher. Donc est-ce que demain il va y avoir des foils moins chers, et est-ce que Decathlon et Tribord justement s'intéressent à ce type de marché, puisqu'on sait quand même que, je pense, le qualité-prix est quand même un élément déterminant pour vous. Alors cher par rapport à quoi? Par rapport aux sensations que ça procure, ça vaut rien du tout, quoi. C'est vrai que si ça a envie de bouffer des antidépresseurs, le foil offre une sensation de voile. En fait, on parle d'accélération, c'est comme le ski, en fait, c'est comme tout, enfin, les sports de glisse, c'est ça qui est exceptionnel. Un des gros avantages qu'on a en foil, c'est que finalement, la différence d'aller foiler à 8 nœuds ou 5 nœuds, on a des ailes qui permettent de voler à 5 nœuds, aujourd'hui des grosses ailes à 2000 cm². Moi, je fais 102 kg, hein, je vole sur certaines ailes à 5 nœuds en wing. 5 nœuds de vitesse de déplacement. Et puis, à côté de ça, je monte à 32 nœuds en windfoil. La seule différence, c'est la chute. Et c'est la trouille qu'on a à un moment donné quand on se déplace à plus de 32 sur le plan d'eau. Alors, nous, pourquoi on a choisi la fibre de carbone pré-imprégnée, qui en a fait un matériau qui coûte cher? Pour vous donner une idée, c'est-à-dire que le prix de l'acier aujourd'hui, c'est à peu près de 80 centimes d'euros le kilo. Le prix de l'aluminium est passé de 3 à 7 euros le kilo. Je parle de prix non travaillé de matière. Quand le carbone, quand on l'achète de manière industrielle, il va coûter entre 30 euros sur certains types de fibres jusqu'à plus de 200 euros le kilo. Alors, déjà, c'était un défi technique qui est vachement intéressant parce que, en fait, moi je viens du Finistère, il y a ce qu'on appelle le pays Bigoudin et la Cornouaille, donc on fait attention en dessous. Et des fois, quand je dis à mes gars, c'est-à-dire que quand on achète du homard chez nous, on l'achète à peu près à 25 euros le kilo, à 30. Quand ça arrive à Paris, plus à 60, on ne jette pas les papas du homard. Donc on est obligé de réfléchir en fait, à utiliser une matière qui coûte très cher et ne pas la gaspiller. Donc c'est déjà, dans une démarche RSE, c'est un premier point. Pourquoi on utilise de la fibre de carbone dans un foil? C'est parce qu'à un moment donné, on est obligé d'avoir de la rigidité et de la légèreté. Autant sur certains types de foils, le fait d'avoir du poids, notamment en windfoil, n'était pas trop problématique. Un AEQ foil qui a un gros fuselage en aluminium, ça ne pose pas de souci. Il y a quand même un manque en carbone parce qu'il faut que ce soit rigide et on a des problématiques d'effort de torsion, principalement, parce qu'on a des grands fuselages et des choses comme ça. En surf, en wing, c'est indispensable d'avoir un foil léger.
Un foil en carbone, c'est pas compliqué. Je vais pas prêcher pour notre paroisse, mais nous, on a des foils qui font 2,8 kg quand un foil en aluminium fait 7,9 kg. À côté de ça, on est en train de monter une usine de planches à voile qui va être des planches creuses, où l'ensemble planche plus foil va faire le même poids qu'un foil en aluminium. C'est un choix qui était technique. C'est cher, par contre. Enfin, c'est cher, entre guillemets. Chez nous, le prix pour le wing, un foil complet, ça coûte 1 500 euros. Donc, ce n'est pas abordable. Ça monte jusqu'à 2 500 euros sur un foil seul. Hein. Je ne parle pas de la planche, de la wing et tout le matos qui va derrière. Un foil en aluminium, ça va se vendre à peu près, chez les concurrents, autour des 600, 700, 800 euros. Quoi. Il y a un pure player français qui annonce des prix à 299 euros bientôt. Si vous êtes dans le business, vous virez la TVA, vous faites la marge derrière, vous rajoutez les prix des containers qui ont été multipliés par 15. Je ne sais pas comment il fait, ou bien c'est vraiment un bout d'aluminium avec des trucs pas terribles. Quoi. Le groupe Decathlon, il commercialise la marque Takuma. Je crois qu'il y a même un foil chez Olayan qui sort avec des protections pour les gens. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc oui, en effet, il y en a pour tout le monde. Quoi. Si vous voulez rentrer dans un domaine entre guillemets de performance, ou un domaine où si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas rincer votre matériel en permanence, la fibre de carbone ou la fibre de verre, c'est bien. Sinon, si vous êtes très précautionneux, que le poids ne vous dérange pas, l'aluminium est top. Sauf qu'aujourd'hui, une problématique dans l'aluminium, c'est l'approvisionnement en aluminium. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aluminium, il part dans les vélos, il y a déjà du mal à faire des vélos. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de grandes marques qui sont nos concurrents, qui n'arrivent pas à fournir parce qu'ils n'arrivent pas à avoir d'aluminium sur le marché. Donc on est très content de faire de la fibre de carbone en France. Et notre fibre de carbone, elle vient de France ou d'Europe. Merci Tanguy. Et tu avais raison de rappeler que ce qui est produit, la valeur de produire proche, de maîtriser la technologie, c'est quelque chose d'important. Le prix, c'est intéressant. Il y a une relation avec le coût qui paraît assez évident quand Tanguy le développe. Moi, je pense qu'il y a une autre réponse. Il y a une réponse produit, il y a une réponse dans l'optimisation des process, dans des matériaux éventuellement différents qu'on va utiliser et qui vont permettre de faire baisser le prix. On parle de comment irons-nous sur l'eau en 2040. Moi, je pense qu'il y a aussi la question de l'usage à se poser. Serons-nous propriétaires de notre foil en 2040 Moi, je pense qu'il faut que nous, constructeurs, et on doit se poser cette question quand on construit des bateaux. Je suis, comme mes deux confrères, on produit beaucoup de choses. Donc, on produit aussi des problèmes. Donc, il y aura des produits neufs, il faut qu'on réfléchisse au prix. Moi, je pense qu'en réalité, d'abord, il faut des produits pour tous les usages. Je pense que c'est très intéressant de le noter. Et puis ensuite, il y a l'usage qu'on en fait. Ça, moi, je crois qu'il y a une réflexion énorme qu'on doit se poser. Le port de La Rochelle, hein, moi, j'y suis maintenant bien placé pour le m'effraie un peu parce que très peu de bateaux sortent. Et que je pense qu'un de nos plus gros enjeux pour l'avenir, que ce soit dans le foil ou dans plein d'autres choses, c'est de faire en sorte que de plus en plus de gens se servent de ces produits, donc les partagent d'une certaine manière. Et je pense que c'est possible aussi dans la performance. On voit que certains Figaro sont achetés par des entreprises et plein de personnes s'en servent. Donc il y a différentes réponses qui vont permettre, je pense, à plus de gens de se servir de ces produits-là. Parce que moi, j'ai bien noté quelque chose d'intéressant, c'est la variété, le choix. Je pense qu'on est une industrie qui a beaucoup cloisonné les pratiques. Alors que quelqu'un qui aujourd'hui veut faire des sports nautiques, parfois il n'y a pas de vent, parfois il y a du vent, parfois j'ai ma famille, parfois j'ai pas de famille, parfois je sais faire, parfois je débute. Et nous, à chaque fois, on dit on va vendre un produit différent à tout le monde. Mais c'est aussi ce qui limite l'accès à nos sports, donc in fine l'accès au marché. Et ça, je pense que, et pour répondre très directement à ta question, Pierrick, et je te remercie de la poser, évidemment qu'on réfléchit à comment faire voler plus de gens demain. En toute sécurité, le foil d'Olayan en est un bon exemple. C'est un foil qui n'est pas léger, mais qui permet de voler et surtout qui permet de ne pas se blesser. Parce que c'est aussi une problématique qu'on a à traiter, qu'on traitera en tant que constructeur, mais qu'on traitera aussi avec les gens qui apprennent à faire de la pratique. Et ça, je trouve qu'il y a aussi un rôle de pédagogie qui est intéressant. Mais évidemment qu'on y réfléchit. Quand je regarde, et on a quelques illustres athlètes ici quand même, les enfants, les gamins, tout le monde rêve devant les bateaux qui volent. C'est une réalité. Ça ne fait pas passer les autres pour un gars, moi je suis tout à fait d'accord. Alors, moi j'ai un Figaro 2, hein, donc c'est un bateau du passé, mais je suis absolument. Il y a une variété de choix qu'il faut encourager. Mais ces pratiques-là, elles redonnent un coup de jeune à ces pratiques qui parfois ont pu être un peu obsolètes ou perçues comme obsolètes. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. La valeur du prix, c'est aussi. C'est forcément un critère qu'il faut prendre, qu'on soit Decathlon ou non, hein, parce que les prix ne sont pas fixés de façon arbitraire, j'y crois pas du tout.
Et puis on n'est pas non plus dans du luxe où il y a une déconnexion. Alors dans certains bateaux peut-être, mais on n'est pas en déconnexion totale avec ce que ça coûte. Donc il y a une vraie réflexion. Et je terminerai pour ne pas être trop long. La collaboration, c'est important. Moi, je pense qu'on a beaucoup à s'apporter et qu'on oppose les gens qui vendent à beaucoup, les gens qui vendent à une élite. Moi, je ne crois plus du tout à ce monde-là. Ça, c'est une conviction purement personnelle. Mais je pense qu'ensemble, on peut réinventer plein de choses et peut-être apporter des process à certains, peut-être nous aussi nous enrichir. Donc voilà. Mais ça fait partie des pratiques de demain. Merci pour la question. Est-ce qu'on doit en conclure que vous avez envie de passer à l'apéro ? Désolé pour... Ah, pardon. Est-ce qu'on réfléchit au recyclage du polyester ? Parce que ça va se poser très vite. On ne va pas faire des poubelles partout de vieux bateaux. Et puis, il faut désengorger les ports. Alors, je suis un peu mal placé parce que moi, je cherche à en vendre des bateaux, pas en casser. Oui, évidemment, il y a des gens qui bossent depuis des années. La solution, elle n'est pas trouvée du tout. Il y a des sponsors dans la voile comme Paprec qui travaillent sur le sujet de façon assez intense. Je crois que la solution, elle est loin d'être trouvée. C'est pour ça que nous, plutôt que d'attendre que quelqu'un trouve la solution de détruire nos bateaux, on cherche plutôt à construire des bateaux qui soient recyclables, réutilisables, enfin, que la... Avec Arkema, enfin pour ne pas les citer, il y a des échanges sur une résine qui serait thermodure au lieu d'être thermoplastique, c'est-à-dire qu'elle serait, on pourrait, à l'issue de l'utilisation du bateau, à l'issue de la vie du bateau, on pourrait reséparer la fibre et la résine, et du coup, ça permettrait justement de refaire un bateau à partir d'un ancien bateau. Très clairement, le traitement de nos bateaux qui sont dans le port à l'heure actuelle, c'est un vrai sujet grave et important qui est compliqué à traiter, très compliqué à traiter. Oui, parce que pour vendre des bateaux, il faut de la place maintenant. Oui, mais alors pour l'instant, la question, je touche du bois, hein, mais la question ne se pose pas vraiment. Les ports s'agrandissent, il y a des gens qui investissent dans des ports, les marinas s'agrandissent. Alors je ne suis pas très fan de... J'adore quand je fais sur un plan d'eau qu'il y a beaucoup de bateaux, et en même temps, j'ai envie aussi de protéger mon jardin. J'aime bien être un peu exclusif quand je pars sur l'eau. J'ai pas envie d'avoir à éviter des gars. Je supporte pas d'avoir un embouteillage à l'entrée du port le dimanche soir quand je rentre, comme si j'en arrivais sur le périph. C'est juste une aberration. Quand je régate, j'ai pas envie qu'il y ait jet ski qui traverse le plan d'eau. Mais en même temps, je trouve ça tellement valorisant et agréable de se dire que ce monde-là qui est magique, il est partagé par un maximum de monde. Et plus il y aura de monde qui le partagera, plus on a de chances que les choses évoluent. Et qu'on mette de l'argent, un peu comme ce que je disais tout à l'heure dans les budgets du Vendée Globe, plus on aura de l'argent sur le terrain, plus on pourra avancer dans ce sens-là et trouver des solutions pour avoir un avenir un peu plus propre. Mais je suis d'accord, on est en train de préparer quelque chose d'embêtant. Ouais. Ouais. Le seul effectivement, rayon de soleil apparent, c'est effectivement la résine hélium, là, parce que c'est son nom, c'est une résine réversible, c'est pas une résine recyclable, c'est une résine réversible, donc on peut reséparer le stratifié. A priori, elle est moins performante mécaniquement, raison pour laquelle d'ailleurs il l'utilise pas en course au large, mais ça commence à se faire, et puis les mentalités vont changer, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, aller autour du monde de plus en plus vite, ok, mais à quel prix et pourquoi ? Donc c'est ça quand même la question auquel est confrontée la course au large aujourd'hui, François Gabart y réfléchit, les gens de... Sirocco, là, Alex Kesser, qui travaille sur le record du monde de vitesse avec quelque chose qui est à cheval entre l'avion et le bateau et tiré par un kite. Ils commencent à vendre leur technologie à des gens comme CMA, CGM, c'est-à-dire que le but, et Van Petegem aussi de VPLP, commence à travailler dans le transport maritime. Donc on se rend compte que tout l'acquis de la course au large commence à être infusé le monde du transport maritime. J'ai plus leur nom en tête, mais les deux Suisses qui sont à la base d'ailleurs d'une partie des brevets d'incidence et de Norse avaient fait un prototype de voile gonflable qu'ils ont présenté au Salon Nautique il y a 3 ans.
auquel Beneteau s'est beaucoup intéressé. Et par contre, il y a quelqu'un qui vient de se positionner avec cette technologie-là, qui est une espèce de mât télescopique, et la voile, elle est gonflable. C'est, encore une fois, ce n'est pas une voile performante, mais c'est Michelin qui vient de le racheter, et qui, vous pourrez taper Michelin, voile gonflable et transport maritime, vous verrez sur le net, vous allez trouver sur la vidéo. Il développe cette voile-là pour comment dire, limiter la consommation des supertankers. Donc, il y a une diffusion de la, on va dire, du savoir-faire du. Pardon. Le chantier de l'Atlantique aussi travaille sur une. Oui, tout le monde travaille. Donc là, au moins la course au large, ce que je disais tout à l'heure, a un côté utilité. Et puis, ce que vous souleviez, c'est le problème des bateaux à recycler, les anciens. Pour l'instant, il n'y a pas de miracle. Et c'est un vrai souci. Donc peut-être que les résines, comment dire, réversibles, vont peut-être permettre dans les années à venir de se dire ben, on ne produit plus des coques qui sont, comment dire, dont on ne sait pas quoi faire. Par contre, on ne le voit pas assez, mais une des grosses vertus des bateaux, c'est de durer très longtemps. Parce que quand on fait le tour des bateaux, il y a des bateaux dans les ports qui sont là encore, qui sont des années 80, voire certains des années 70. On ne peut pas forcément en dire autant des voitures. Donc on a tendance à culpabiliser dans le bateau parce que c'est du polyester, parce que c'est des matériaux, c'est pas terrible. Mais en tout cas, la durabilité des bateaux est au moins une des vertus qu'ils ont. Donc voilà. Si je peux apporter mon petit truc, c'est-à-dire qu'il y a on peut faire des bateaux qui peuvent être recyclés, on peut faire des bateaux en aluminium, faire des bateaux en bois. L'avantage du composite, c'est le moulage. Voilà, on est très clair là-dessus, donc ça a permis de faire des coques. Aujourd'hui, le composite et les bateaux en composite, on les prend, on les broie et on en fait du soubassement pour les autoroutes et ces choses comme ça. Donc c'est un petit peu problématique. Le souci, c'est le coût. C'est pas le souci d'être capable de les recycler ou pas. Je me sens très concerné parce qu'aujourd'hui, nous, on fait à peu près entre 2 et 3 tonnes de carbone préimprégné par mois. Donc aujourd'hui, on fait quasiment plus qu'Airbus parce qu'ils sont à l'arrêt. Enfin, je dis ça pour rigoler, mais c'est pas loin d'être ça. Déjà, il y a la réflexion à la base. Si on produit local et si on réfléchit à la production locale, je vous parlais du prix du homard. Moi, je n'ai jamais supporté de jeter les papas du homard. Et on a développé une techno qu'on a appelée chez nous XMC, ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à moins de 5% de taux de chute de carbone préimprégné. Ça vous paraît bête, mais chez nos copains de la course au large ou chez nos copains avionneurs, ils sont à 35% de taux de chute qui jettent. Alors moi, au début, je regardais ça d'un point de vue économique. Je me disais, mais c'est dingue, on jette 35% de... Vous faites 2 tonnes fois 35%, fois 200 euros du kilo. Je peux vous assurer que ça fait des gros chiffres à la fin. Et puis, c'est pas bon pour la planète. Ben, cette techno-là, il y a des gars de l'INPI qui disent, pourquoi vous ne brevetez pas ça? Je dis, bah, pourquoi? On ne doit pas être les seuls à faire ça. Eh bien, si, on est les seuls à faire ça. Parce qu'à un moment donné, d'un point de vue économique, en fait, le problème d'aller, entre guillemets, traiter ces déchets en produire moins... Eh ben, si vous êtes un vrai industriel, normalement, vous n'en avez rien à cirer. Quoi. Vous dites, bon, c'est pas grave, on va foutre ça à la poubelle, je fais un calcul, je fais un compte de résultats. Eh ben, aujourd'hui, en fait, cette petite techno qu'on a mis à peu près un an et demi à développer, parce que c'est pas évident d'aller traiter des trucs avec des protecteurs, des bouts de tissu qui n'ont pas exactement la bonne forme, eh ben, aujourd'hui, on est en train de nous appeler à droite et à gauche pour dire, est-ce que tu veux pas récupérer nos déchets? Et donc là, on parle de foil carbone, mais peut-être que demain, il y a certaines pièces aujourd'hui où la matière ne va rien nous coûter du tout parce qu'on est en train de la récupérer. Donc déjà, de produire de façon plus propre, c'est pas mal. Au niveau des résines, il y a des résines aujourd'hui, on est en train de biosourcer au maximum certains types de résines. Nous, on travaille dans une usine où justement, ça a été mis en place, où on utilise des résines biosourcées. Et aussi, le groupe Decathlon faisait aussi ses planches à voile dedans, ou ses planches de surf dedans. Et donc, on a travaillé dessus. Les résines type hélium, c'est encore le problématique. Ça va être des problématiques d'industrialisation. C'est-à-dire que dans la duche, chez Dufour ou chez Folanco, bah, il faut que le produit, ça stable et que ça fonctionne. Et donc, dans 10 ans, il y a de fortes chances que bah, tous ces petits problèmes-là... Alors, la fibre de lin, je suis un peu plus sceptique, parce qu'il y a 3 jours, on m'a demandé de faire, parce qu'on fait des pièces pour les bateaux, les IMOCA, on m'a demandé 3 pièces, c'était une table à cartes et je ne sais pas quoi, en lin, avec un peu de carbone pour cacher dessous, enfin je ne sais pas quoi, parce qu'en fait, ça leur permettait de gagner 300 kilos pour la jauge du bateau. Je me suis dit, c'est pas terrible, bon, on s'en fout, on met un peu de carbone, tu mets du lin, voilà, on a 2 ou 3 éléments. Puis, donc pour moi, ça, j'appelle ça du pur green business et ça m'embête dedans. C'est-à-dire que demain, il faut travailler sur la fibre, sur le recyclage des fibres et sur la résine. Mais je pense qu'il y a des gens intelligents qui font ça à notre place et dans 10 ans, le problème sera résolu. Oui, et puis c'est de toute façon toutes les marques aujourd'hui, que ce soit dans le ski ou
dans l'automobile, etc. Il y a de toute façon le souci de la planète et le souci d'avoir aussi une bonne image vis-à-vis de ses potentiels clients, d'avoir une bonne image de marque, fait qu'aujourd'hui tout le monde recherche, pas uniquement dans le bateau, mais dans tout ce qui est industrie en général, à avoir moins d'impact. Et le problème du recyclage que vous souleviez, il est présent partout. Ceci dit, c'est tout récent le souci qu'on a de ça, finalement. C'est tout récent, c'est-à-dire que pendant 60 ans, sur les 60 dernières années, tout le monde s'en foutait, quoi. C'était pas un... Même si Haroun Taziev, je crois, ou Polémy Victor disaient dans les années 70, il faut faire attention au réchauffement climatique, mais ils étaient inaudibles. Maintenant, dans notre malheur, c'est qu'il y a une prise de conscience qui est vraiment très forte et qui oblige les marques à, même pour recruter des gens aujourd'hui, les grandes marques doivent montrer leurs efforts, sinon pour les hauts profils et tout, ils ont du mal à recruter, parce que les jeunes ne veulent plus aller dans des boîtes qui justement ne font pas attention à tout ce que vous... C'est une aubaine pour les entreprises en fait. Bon, ce qu'on appelle la RSE, c'est... nous on a un objectif, on va dire zéro déchet, même zéro CO2 dans 2 ans. Ben, ça permet en fait de prendre, je sais pas comment vous faites à Tribord comme ça, vous prenez tout le petit monde et ça permet à tout le monde de bosser ensemble et d'avoir un objectif qui n'est pas seulement un objectif d'aller vendre des pièces, quoi. Donc je pense que pour les entreprises, il faut vraiment prendre ça comme une aubaine. Ça, je pense que c'est... Donc juste pour terminer. Je pense que c'est important. Il y a comment on fait vivre des bateaux qui existent. Et à ce titre-là, il faut qu'on agisse sur la pratique, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas insupportable pour une raison, c'est que les bateaux ne bougent pas. Donc il n'y a pas de raison objective d'aller recycler un bateau qui, de toute façon, ne sert pas. Donc je pense que là, avec les pouvoirs publics, il faut aussi qu'on travaille à redonner envie aux gens, à questionner le pourquoi. Alors il y a des raisons qu'on connaît, mais je pense je ne suis pas sûr qu'on les ait creusées toutes. Après, il y a la responsabilité, effectivement, des entreprises. Alors là, je souscris à 200%. Un, c'est une aubaine. On ne recrute plus des bons. Ça, c'est clair et net. Mais sans sens à l'entreprise, ce n'est pas qu'un sens écologique, c'est un sens de façon beaucoup plus large. Tu posais la question ici. Moi, j'ai fait le choix dès le début de ne pas avoir un magasin. Ici, on est concepteur de produits. Donc le sens de Tribord, c'est ça. Il se trouve qu'on travaille dans un groupe Décathlon et qu'on a aussi une responsabilité de commerçant. Que je n'élude pas du tout, mais le sens de ce site, c'est ça. Et les gens de Tribord qui sont venus ici, ils sont venus pour ça. Et beaucoup de gens nous ont rejoints, puisqu'il y a 5 ans, on était 8, on est 40 maintenant. Donc, et ça, c'est absolument fondamental, parce que tout ça fera changer beaucoup plus vite, parce que là, il faut aller plus vite. J'entendais Nicolas Hulot sur BFM TV la semaine dernière. Là, c'est vrai que ça fait un peu froid dans le dos, et que c'est un peu la grenouille et la casserole d'eau qui chauffe doucement. Bon, voilà, maintenant, l'eau, elle bout, donc il faut qu'on se remue. Mais il y a les deux. Je pense que plus on encouragera la pratique, maintenant je pense que les consommations sont plus raisonnées et tant mieux qu'avant, mieux ce sera. Mais ces bateaux, les bateaux qui sont là qui ne servent pas, pour moi il y a un problème fondamental de les faire sortir. Et c'est pour ça que moi j'aime pas opposer les athlètes aux débutants, les plaisanciers aux compétiteurs. Moi je pense que c'est un tout la voile, c'est la variété. Et les champions olympiques font rêver beaucoup de gens et il faut absolument qu'on encourage ça. Parce que c'est aussi une aspiration naturelle. Mais débuter, c'est quelque chose de tout à fait honorable. Vouloir changer de pratique, c'est aussi quelque chose d'honorable. Et donc, à nous d'organiser les passerelles. Parce que moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais il faut qu'on l'organise ensemble. Et le mieux possible, c'est sûr, pour nos enfants. Moi, je voulais juste, parce qu'avec Thierry, on n'est pas du tout d'accord sur ce point-là, et il n'est pas du tout d'accord avec la communauté course au large, en fait. Thierry aime bien pousser la voile vers la course au large, vers la lenteur. C'est complètement utopique, pour être très honnête, très sincère. Je n'imagine pas que mes copains vont un jour se dire « Ok, j'accepte d'aller un peu moins vite que mon voisin ». Même si on fera un peu moins évoluer les bateaux, l'idée sera quand même de gagner la régate et d'être le premier sur la ligne. Donc ne rêvons pas, il y aura toujours un côté compétition, on le voit en Formule 1, ils hybrident les voitures, ils vont un peu moins vite qu'il y a quelques années, ils changent un peu moins de pneus, mais n'empêche qu'ils cherchent toujours à gagner et qu'ils arrivent toujours à développer, donc d'une façon ou d'une autre, même quand on régate en monotype, s'il y a des coureurs dans la salle, vous le savez très bien, on cherche toujours à avoir, même en laser, on essaye 25 têtes de mât pour avoir la meilleure tête de mât. Quand on faisait du Figaro, je vous dis pas les budgets qui passaient dans les chantiers alors que c'est des monotypes qui sont contrôlés en permanence et contrôlés à 2 mm près. Et pourtant, il y a quand même du développement à faire, il y a quand même de la recherche. Et l'objectif, c'est quand même pas d'aller le plus vite possible, mais c'est d'aller plus vite que l'autre.
plus vite que le voisin. Donc s'il y a un gars qui a fait un chrono un jour, bah, il faut battre ce chrono-là et on ne pourra pas accepter d'aller moins vite. On va y passer 2 heures là. Non, évidemment, moi aussi, j'adore la course au large. Je trouve d'abord que les gens qui la font sont d'abord les concepteurs, les chantiers, les bateaux, enfin, tout est passionnant. Par ailleurs, je suis fan de MotoGP, donc ça fait mal à mon côté écologique, même s'il n'est pas forcément le plus développé. Mais il faut bien qu'on se rende compte que ce qui se passe actuellement dans la société et l'environnement, c'est qu'on se rend compte que toujours plus, qu'il y a une logique économique liée au capitalisme, et on ne va pas se lancer dans une critique politique, hein, mais et que le sport est un reflet de cette croissance et de la façon dont le monde occidental fonctionne depuis des siècles, et que le problème qu'on a aujourd'hui, le problème planétaire, c'est ce problème de toujours plus. Donc j'adore la course au large. Ce que je défends, et ça pourrait être tout aussi valable pour la Formule 1, c'est qu'à un moment, si aujourd'hui les opinions se retournent sur la consommation, sur pas mal de choses, parce qu'on prend tous conscience que quand même il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'il a fait combien, 49 au Canada, c'est ça, vous avez tous entendu comme moi. Donc il a plu en Sibérie, enfin il y a, même si on n'est pas très attaché à ce côté, on va dire, climat, on ne peut plus le nier. Donc à partir de quel moment on va se dire faire des courses de Formule 1 un dimanche sur deux, aller à 400 au lieu de 380, à partir de quel moment ça va nous sembler absurde, et à quel moment ça sera absurde, parce que l'énergie, les transports et toute la recherche qu'on fait pour être meilleur dans chaque compétition, il y a un moment, ça semblera absurde s'il fait 55 au Canada. Donc j'adore la course au large, c'est juste ça qui me semble nous interroger pour les, là pour le compte, peut-être pour les 30 années à venir. Mais sinon, oui, la course au large, c'est fabuleux, mais je pense qu'il commence à... Il y a un moment pour les sponsors, parce que vous savez que la course au large, c'est les sponsors. Le moment où, et c'est valable pour la Formule 1 ou pour d'autres choses, le moment où la performance absolue sera remis en cause par la société, et ça viendra, je suis persuadé que ça viendra, là, les sponsors, ils vont changer d'avis. Il y a déjà des sponsors qui se posent des questions sur ça, pas forcément que dans la voile. Donc ce que je dis, c'est juste ça, c'est que cette chose-là nous interroge. C'est-à-dire que je crois, pour ne pas les citer, je ne sais plus quelle course, où Massif a fait envoyer 2 équipes pour changer des dérives à l'autre bout du monde. Après, quand il parle de RSE, sincèrement, moi, je me gondole de rire, c'est pas crédible. Il y a des RSE dans la course au large. Moi, je veux bien, mais est-ce qu'il y a du RSE chez Ferrari ou chez Mercedes en F1? Bah, s'il y en a, c'est juste absurde, quoi. Donc, c'est juste... Mais je précise que j'ai eu le plaisir d'inviter Nico, parce que justement, il m'a dit, on n'est pas d'accord, et je lui ai dit, mais c'est pour ça que je t'invite. Et pourtant, la course au large, c'est celle qui a fait rêver des millions de personnes. À l'époque, on avait des hippies de la course au large, les James Warham ou les Moitessiers. Ouais. Et comme disait Guénaud tout à l'heure, c'est que... Cette période-là, il y a des centaines de, peut-être pas de milliers, mais des centaines de milliers de personnes qui sont mises à faire des bateaux, à fabriquer des bateaux. Moi, je note quand même quelque chose, que depuis la fin du premier confinement, il y a un an, je parle pour la Bretagne, je parle pour une grosse partie de la France, c'est-à-dire que pour la pratique de la voile légère, hein, c'est-à-dire la planche et tout ça, on a vu énormément de gens revenir à l'eau, sortir des vieilles planches du garage, des choses comme ça. Pendant des années, j'étais le seul à avoir un bateau parmi mes copains. Pourtant, j'avais des copains qui avaient vachement mieux réussi que moi, qui étaient en fac de droit, qui ont fait avocat, tout bib et tout ça, qui adoraient naviguer, mais sur le bateau des autres, ou des fois en louer un. Et ben là, je me rends compte que j'ai 4 ou 5 potes qui veulent acheter des bateaux, qui se disent, tiens, bah ouais. Alors c'est peut-être parce que l'immobilier de bord de mer est devenu tellement inaccessible que d'un coup ils se disent, bah finalement c'est pas si mal de ça d'acheter un canot, mais il y a vraiment une envie de retourner à l'eau. Et je pense que c'est ça qu'il faut retrouver le sens, c'est bah, finalement tout le monde peut aller sur l'eau, et qu'aujourd'hui c'est pas seulement un sport de riche, on peut s'acheter un bateau, je sais pas, aujourd'hui il y a des bateaux au fond du port, vous mettez 2 500 €, bon, je veux dire, c'est un budget quand même, tout le monde n'a peut-être pas 2 500 €, mais c'est plus non plus, il faut plus être multimilliardaire demain pour aller sur l'eau ou pour aller faire du bateau, quoi. Il y a vraiment quelque chose d'important. Et quand tu parlais de la course au large et de la lenteur, il y a une règle qui s'appelait l'IRC,
qui faisait faire en sorte que ben, moins on avançait, parfois on pouvait être, finir premier en étant dernier sur la ligne. Ouais, mais c'est une hérésie parce qu'on parle quand même de course, de compétition. Merci à vous. J'aimerais poser une dernière question avant qu'on passe au cocktail qui nous a été posée par quelqu'un sur le live stream. Aujourd'hui, donc on en a parlé, hein, le prix des ancrages, le respect des littoraux nous impose à évoluer. Est-ce que la compacité n'est pas une réponse à ces problématiques ? Est-ce que là ? La compacité. Est-ce que c'est un peu ce que je disais quand je comparais le monocoque et le multicoque ? Un monocoque qui prend moins de place dans un port permet d'offrir le même plaisir à plus de monde, peut-être. Je ne suis pas certain parce que, comme sur le Vendée Globe, on l'a bien vu, on parle de Vendée Globe d'abord, ils ont arrondi leurs étraves, ils ont élargi leurs bateaux. Et si on revient à l'IOR même, on est quand même dans un monde très différent. On a des bateaux qui font trois fois la surface. Nous, aujourd'hui, on se pose la question de la dénomination de nos bateaux. C'est-à-dire que depuis des centaines d'années dans le nautisme, on appelle un bateau par sa longueur en pied, donc un Dufour 34, un Dufour 40. Aujourd'hui, on se rend compte qu'un Dufour 40, c'est peut-être moins volumineux qu'un Dufour 360. Il est moins long en longueur, mais il est plus large, il a plus de volume devant, on arrondit les étraves nous aussi. On assume d'avoir des étraves arrondies grâce à la course au large. Et au final, si on a des francs-bords plus importants, donc il y a plus de volume à l'intérieur, du coup, notre dénomination ne veut plus rien dire. Mais au final, on n'a pas compacté l'environnement. Bien au contraire, on l'a agrandi, on prend plus de place. Je ne suis pas sûr que la tendance soit vers moins... On cherche à... Nos maisons aussi s'agrandissent, hein, on ouvre les fenêtres, on agrandit nos jardins, tout s'agrandit, sauf quand on cherche à diviser les parcelles pour gagner plus d'argent quand on vend. Mais sinon, on cherche à plus d'espace. Si on prend un bateau, c'est pour aller plus loin, pour vivre le même confort dans le bateau qu'à la maison. C'est pour ça qu'on met la clim. À la maison, on aime bien avoir la clim parce qu'on a chaud. Donc on veut la télé aussi, on veut tout ça. Le confort qu'on a à terre, comme dans le camping-car, on le veut dans le bateau. Je ne pense pas qu'on aille vers de la compacité, non. Non. Ça marche. Merci. Donc le mot de la fin par Guillaume. Oui. Juste, moi, je voulais conclure tout simplement en vous remerciant tous les quatre, Tanguy, Nicolas, Thierry, Rodolphe aussi, qui est dans l'ombre là-bas, mais je pense que tu as aussi pas mal bossé sur cette conférence, puis toi aussi, Guéno. Je voulais aussi vous remercier à tous d'être venus. Moi, j'ai une conviction, c'est que l'innovation et le progrès, ça passe forcément par l'échange et les rencontres. Et du coup, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un beau premier pas qu'on fait tous ensemble aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui. On poursuit les échanges juste au-dessus avec un cocktail. Il me reste une personne à remercier, ou deux, Claire et Brian, qui ont beaucoup bossé aussi sur leur regard, donc merci à eux. Donc c'est au fond.